إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bienvenue dans ce nouveau live, ce nouvel épisode qu'on consacre à la jurisprudence au C'est Effectivement, ce mot, qui, le, le, ce terme est très euh, utilisé. La jurisprudence, mais de c'est c'est euh, c'est une science qui euh, qui a, trouve pour origine euh, le Coran et la Sunna du Prophète Mais on a vu au travers des premiers cours que la jurisprudence ce n'est pas une science effectivement, qui est apparu récemment. C'est une science qui, qui a démarré dès l'époque des sahaba qu'Allah les a grés, et même le prophète qui a initié ses compagnons à la réflexion, à la déduction des... à la manière de... de, 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 de déduire les, les règles et les statuts juridiques. Et cette science-là, qui a, son importance, a une importance certaine, parce qu'elle traite du quotidien des gens. Elle traite à la fois de, de l'accomplissement euh, des adorations, euh, de, des statuts juridiques et religieux euh, relatifs au culte, également aux relations entre les hommes et les femmes, les relations euh, entre pardon les, les, les humains de façon générale, les relations également avec l'environnement. Euh, L'Ilheim, du coup, c'est une, une science qui, qui, euh, qui est importante parce qu'elle est pragmatique, elle est liée au quotidien des gens. Euh, on a parlé la semaine dernière d'une de, époque très très importante qui, qui est l'époque des Sahaba, ou dire des grands Sahaba, qui est une continuité euh, de l'époque de la révélation. Il y a un lien extrêmement étroit entre les deux. Ils sont venus nous expliquer et nous clarifier les règles de notre religion, ce que la l Allah, l Allah et son prophète, euh, son prophète nous ont révélé. Et ils ont commencé justement à, à s'attaquer ou, ou se pencher sur des situations nouvelles qui leur sont arrivées, situations qui sont liées à des, à des, à des, à des, à des moments historiques. Du coup, ils ont dû faire ijtihad, ils ont dû euh, apporter, apporter leur, leur éclairage sur certaines situations pour trouver soit des solutions, trouver des avis religieux. Qu'on a vu justement leur intelligence et, et leur, et cette force euh, qu'Allah leur a donnée. Euh, et, et on voit, et on a vu le, le Hamdulillah, que, que, que la foi a véritablement pénétré leur cœur. Et c'est leur donner cette lumière-là qui leur a facilité hamd, de prendre des décisions majeures. On a vu avec euh, Abu Bakr, qu Allah, qu Allah, subhanahu wa ta'ala la, la Grée, qui, a, qui a eu euh, des, des, des moments très difficiles, bon. juste après euh, la, la mort du prophète, et le décès du prophète Ali On a vu al-Mukhattab, Uthman, Ali. Ils étaient effectivement là, et c'était des vrais, véritables hommes qui pouvaient prendre des décisions mais des décisions éclairées pourquoi parce qu'ils ils étaient dans cette optique de de de, de, de plaire à la seule et également de prendre l'avis de tout le monde prendre l'avis de, de, de consulter de, de mettre en avant le, le, le principe de la consultation de la concertation qui est extrêmement important on a vu aussi les prémices de règles de jurisprudence même si elles n'étaient pas consignées écrites il n'y avait pas une terminologie de ce qu'on peut appeler les fondements de la, de, de la jurisprudence, mais on, on a vu qu'ils utilisaient le trias l'analogie, ils utilisaient l'intérêt général, etc., etc. C'est des éléments ou des, ou des principes qui sont, qui, qui ont été véritablement écrits et consignés, euh, expliqués bien plus tard, euh, des siècles, des siècles après. Et là, on est passé effectivement. Ils ont passé ce flambeau, le flambeau de la science, parce que les prophètes. On, on hérite, des, ils font hériter effectivement pas d'argent ni, ni de biens, mais plutôt la science. Et l'Ahmadou cette science-là a été transmise des Sahaba. Ils a été transmise aux Tabyine. Et du coup, aujourd'hui, on aimerait l'Ahmadou discuter un peu de cette période. Et c'est une période extrêmement importante, celle des, des Tabyine, qui ont, qui sont vraiment le, 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 la, les, on va dire, les prémices de l'apparition de ce qu'on pourrait appeler le madahib. Euh, le Madahib fiqhiyas ce qu'on connaît aujourd'hui, les madaïbes, quoi, les les, les des les, les, Hanafites, des Shafi'ites, des Hanbalites, etc. Et d'autres Madahibs aussi qui ont disparu, euh, qui, qui existaient à l'époque, euh, euh, au premier, euh, premier siècle de l'islam, et qui ont disparu. Il ne aujourd reste aujourd'hui que quatre, quatre de, de ces écoles, et qu'on va, inshallah, expliquer bien plus tard. Du coup, si on peut prendre effectivement ce Asr,

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, effectivement, c'est comme tu l'as si bien introduit, tu l'as certainement dit également en mon absence, c'est que le Prophète il a dit Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa réveil. Ici, c'est le, le fiqh. Quand nous parlons de fuqaha, c'est le prière donc de faqih. Fakih, c'est celui qui a compris, ce n'est pas celui qui. A... Vient pour 2 euros ou 10 euros à un baptême ou faire un mariage ou autre chose. Ce pas ça. Exactement ça, je pense que c'est très important. C'est à qui Allah veut du bien. Donc, ce sont les rapprochés d'Allah. Quand Allah aime quelqu'un, il lui enseigne le Il lui fait comprendre sa religion. Donc, le fait, c'est vraiment, on appelle ça jurisprudence parce qu'effectivement, ça traite des problèmes concrets. Donc, on peut avoir l'impression. Que ça traite du mariage, de ceci, de cela. J'ai fait ceci, ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais, imam C'est vraiment c est, c est une science qui est extraordinaire. C'est la compréhension même de la religion. C'est pour cela, d'ailleurs, que ça a été si diversifié et qu'Allah a fait sortir des meilleures générations, les meilleurs des hommes, donc qui ont vraiment compris leur religion. Et la semaine dernière, effectivement, en Barak on a parlé, évoqué les compagnons. Mais les tabéïens ne sont pas non méritants, puisque le professeur m'a dit dans le hadith que tu as rapporté. Khairun voilà. Karni. Donc, la, les meilleurs des gens, ce sont mais C'est ma génération. Karni, on le traduit souvent par siècle, mais ce n'est pas vraiment le pas siècle, c'est ma génération. Non. Et donc, il a, il a dit. Ah, ensuite, ceux qui viennent, ensuite, ceux qui viennent. Donc, les Tabéines ont été mentionnés dans ce, dans ce hadith du Prophète qui a dit qu'après les compagnons, c est, c est, ils viendront des gens qui ont beaucoup de mérite. Qui ont beaucoup de mérite. Et je rappelle juste pour ceux qui ne connaissent pas les compagnons que le Prophète a dit les meilleurs des gens de toutes les générations humaines, ce sont les compagnons du Prophète, hormis les prophètes et les messagers. Donc ce n'est pas de toutes les générations. Quels soient les compagnons de Moussa, les compagnons Issa les compagnons de Nour, les compagnons du Prophète sont les meilleurs. Et ensuite, bon, on sait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, notamment dans la Surah Ta'ouba, euh, verset 111, quand il dit Donc les, les premiers parmi les premiers émigrés et les ansars et ceux qui les ont suivis dans le, dans le droit chemin ceux qui les ont suivis ceux qui ne sont ni, ni compagnons et c'était qui c'est Donc Allah les a agréés, ils ont agréé Allah. Donc ce sont des gens de, qui sont des savants, qui sont les enfants, ou en tout cas des gens qui ont euh, pris des compagnons du prophète, et ce sont les meilleures euh, générations, euh, donc euh, c'est la meilleure génération après celle de, donc, des, des compagnons du prophète. Donc Allah les a choisis eux aussi, bien que euh, il est évident qu'ils n'ont ils pas atteint euh, leur maître, qui sont les compagnons du prophète, qui Allah a choisi pour l'accompagner. Donc effectivement le fiqh, euh, Inclus ceci, c'est la compréhension. Et parmi eux, effectivement, il y avait des très grands savants que mmh. Allah a choisi pour leur enseigner donc euh, sa religion et qu'ils ont pris des, directement des compagnons du Prophète. Donc, il faut, ce n'est pas quand on dit euh, euh, le fiqh des compagnons du Prophète ils les ont enseignés et nous attestons effectivement qu'ils ont laissé l'héritage des prophètes sallam comme tu as dit. Le Prophète a dit que les. Mmh. Donc les, les prophètes ne laissent ni dirham ni dinar, mais ils laissent la science. Et celui qui en a eu, il en a eu beaucoup. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est pour cela qu'il faut respecter les savants, sans rentrer dans les détails, puisque dans le réel qu'avait laissé euh, Karim, euh, certains se disent oui, les savants, mais dans l'islam, non, non, c'est... Les, les chiffons et les torchons euh, ne sont pas comparables Donc à les serviettes. Je ne mm. dis pas qu'on est, est sans manquer de, de respect. c'est... Les savants, même d'aujourd'hui ou d'hier, quand on leur dit qu'ils sont savants, ils disent, nous ne sommes que euh, des nés sur l'épaule des géants. Je pense c'est ce qu'il faut comprendre. Quand on dit aujourd'hui un grand savant, c est, c est, il n'est pas comparable, bien sûr, à des compagnons, il n'est pas comparable, encore moins aux compagnons du professeur Sallam et encore moins au prophète Alléluia Sallam. Donc, un, un savant, ce n'est qu'il est né, parce qu'il a appris, deux gens qui ont appris jusqu'à remonter à la source donc qui est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé à son prophète sallam donc il faut les respecter on n'est pas savant faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas faut pas se prendre pour ne ce qu'on pas et ce que Allah aime il faut les aimer pour être grâce à Allah par sa miséricorde rassemblés avec eux mais celui qui se prend pour un savant n'est déjà pas savant voilà. donc on va il il a Allah dit subhanahu wa il vous a été donné oh vous les hommes que très peu de science ça c'est les hommes je parle pas de nous donc, il faut pas se prendre pour ce qu'on pas, pour les gens qui commentent en disant « oui, mais bon, c'est des hommes, nous aussi on est des hommes, c'est des savants, mmh. mais bon, l'islam permet ». Comment cette science nous est arrivée C'est grâce à Allah, au travers de ces hommes-là, donc qui ont beaucoup, beaucoup de méritants, qui ont pu se tromper. Effectivement, on les adore pas. On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf de mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je, veux, je voulais juste remettre les choses parce que quelques commentaires euh, désagréables entre guillemets. Je pense que les gens qui sont égarés, euh, qui se laissent égarer, ou alors qui sont orgueilleux, euh, qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. Donc le fait qu'effectivement c'est la quintessence même de la religion, c'est la compréhension de la religion que l'on peut tirer du hadith du prophète صلى الله عليه Et effectivement, c'est un peu mettre en avant quelques caractéristiques de cette, de cette, de cette période, celle des et des successeurs, qui ressemblent euh, en quelque sorte à celle qui l'a précédée, des, des Sahaba, c'est la simplicité effectivement du, du contexte, euh, et aussi la simplicité dans le... Dans, euh, dans le traitement des, des, des règles euh, effectivement, et dans le traitement des questions religieuses. Tu peux juste nous en parler, Bernard parce qu'aujourd'hui, après, il y a eu effectivement un, un développement un très très important de ce qu'on appelle au euh, solfège, etc. Mais à ce moment-là, on était vraiment dans, dans, dans une sorte de voilà, on était simple parce que on recherchait justement euh, à, à se conformer aux règles et on se conformer pardon aux, aux preuves de la, du Coran ou de la Sunna et ne pas Outrepasser effectivement nos, 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 les, leurs prérogatives. Paraclophique, parce que, les, comme l'a dit le prophète sallam celui qui se précipite dans la, dans la fatwa, se oui. précipite vers l'enfer. En fait. Donc, c'était les plus pieux des hommes. C'était les plus pieux parce qu'ils connaissaient Allah. Jamais Je... assez, mais ils connaissaient Allah. Donc, ils n'inventaient pas. Des problèmes pour les résoudre. Mmh. Même si, comme tu as dit la semaine dernière, finalement, nous, on en profite, parce que des cas théoriques. Les gens, ici, il arrive ceci, ici, il arrive cela. Mais eux, c'était pratique, parce qu'ils sont responsables devant Allah mmh. de l'aide qu'ils pouvaient amener intellectuelle, qu'ils pouvaient apporter à la communauté. On a un problème. On dit qu'on va quand Quand on lui posait un problème, il pouvait mettre un mois à réfléchir. Il rassemblait, et pourtant, c'était l'un des plus grands, on dit même, c'est le plus grand euh, Mmh. Juriste présidentiel, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler ça. Juriste consulte. Voilà, juriste consulte de, 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 de l'histoire récente, en tout cas de l'Islam. Oui, voilà. Mais il mettait, parce qu'il craignait Allah. Il craignait Allah, et il est au paradis, alhamdulillah, qu'Allah l'agré, ainsi, ainsi que tous les compagnons du Prophète on dit qu'il pouvait prendre un, euh, un mois pour réfléchir à la question. ne se précipitait pas, parce que celui qui se précipite, ben, il va prendre les conséquences. Donc ce n'est mmh. pas mon point de vue. C'est qu'est-ce que Allah dit, qu'est-ce que Allah aime dans cette situation-là. Et ensuite, on dit, après et pourtant il en connaissait beaucoup, il rassemblait, comme tu l'as dit, dans la Shura, ne serait-ce que par respect, il rassemblait les compagnons du Prophète, en disant qu'est-ce que... D'abord, on dit qu'après lui, il demandait est-ce qu'Abu Bakr avait déjà pris une, une, une position sur cela quand on dit oui, Abou Bakr avait dit ceci, il dit mais si, il ne pas au fils d'Al-Khattab de prendre une position. Quand euh, Abou Bakr a pris une position, il, il, il s'alignait. Donc c'est de l'humilité, c'est du respect, c'est de la connaissance de la valeur donc de ces hommes-là. Et ensuite, donc, ils il rassemblait, s'il n'avait pas, Abou Bakr n'avait pas pris n'a pas été éprouvé par une situation pareille. Donc, il rassemblait les compagnons du professeur Sallam et il leur demandait, est-ce que euh, quelqu'un a entendu le Prophète Sallam dire telle et telle chose Bien enfin, sûr, il n'a fait pareil, il ne trouvait pas à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez Chacun donnait son avis et lui tranchait. Voilà. Et il pouvait, on dit, à une même séance, résoudre 100 questions en même temps. Donc, il était... c'est pas ambitieux, C'est pas ça le mot. Il était courageux. Et qu'il ne va pas dire, bon, ben écoute, hein, ce n'est pas arrivé du temps du prophète Saddam. Euh, ce n'est pas, c'est quelque chose que, qu trouve pas dans le, que je ne trouve pas dans le Coran, que je ne trouve pas dans la Sunna. Et donc, bon, ben, moi, je ne peux pas prendre position. Non. Allah t'a mis à une position. Tu es obligé de trancher Tu dois vivre la situation. Et donc, c'est lui, c'est pour cela que les gens qui cherchent le pouvoir, on ne doit pas leur donner. Quoi. Quand tu ne cherches pas Allah, il t'assiste. Allah, il t'inspire. Et s'il y avait un inspiré dans la communauté, ça aurait été Omar ibn Khattab, et le récompense par le meilleur de, au nom de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est effectivement cette méthodologie qui n'était pas écrite. ces tradition que le prophète sallam avait laissé orale n'était pas non plus écrite, mais néanmoins la méthodologie a été suivie par quand on quand on quand on voit les, les tabeene donc les épigones en bon français. Mm. Donc la deuxième génération, elle était, elle était là en train de suivre les pas et d'apprendre, et compris la méthodologie sans que ce soit écrit. Après, effectivement, des livres ont été écrits dans les, dans les, dans les années ou dans les mmh. décennies plus tard. Mais à l'époque, ce sont des gens qui voyaient des maîtres, qui suivaient des enseignants et qu'ils qu apprenaient de plusieurs enseignants. Des compagnons du professeur Saddam, ils en profitaient. Et donc, ensuite, ils les mettaient en pratique avec la même chose, avec la même méthodologie. Tout c'était comme ça, même s'ils ont pu diverger sur les points de vue. Et c'est normal. Donc, fait qu'effectivement, à ce moment-là, les gens, euh, ils, étaient, euh, ils avaient une, une faculté, où, euh, on ne va pas dire innée, de comprendre la langue arabe, comme les Sahaba. Du coup, une, ils avaient une facilité une facilité à comprendre les, les textes et comprendre aussi les relations logiques effectivement dans, du coup vous n'avaient pas besoin quand même de l'écrire parce que après ça, la langue s'est perdue il il y a beaucoup de ce qu'on peut appeler au sol des fondements de la jurisprudence qui sont liés à la langue arabe elle-même effectivement sur par rapport au connecteur pour comprendre est-ce que c'est est-ce que c'est une condition est-ce que c'est une conclusion est-ce que c'est une conséquence etc du coup ils avaient cette facilité là à le comprendre et ils avaient aussi ce bon sens qui était hamdulillah et cette, cette clairvoyance qu'allah subhanahu wa taala leur a donné euh, et à ce moment là ce, ce, cette cette époque là on a vu euh, l'apparition de Raoul Sahabi c'est l'apparition de l'argumentaire de de, de, de de se baser sur la parole du sahabi qui n'existait pas existait comme tu as dit tu as donné quelques exemples de certains sahaba mais c'est vraiment répandu à ce moment-là on commençait vraiment à compiler et à, à, à narrer les, les les paroles des sahaba ou les avis des sahaba sur certaines questions. Là, mm. je pense que c'est c'est une méthode d'éducation de, mm. de chacun d'entre nous. De fait. Voilà, c'est comme on a dit tout à l'heure Omar ibn Khattab demandait Est-ce Abou Bakr a dit mm. ça. Et parce que le professeur m'a dit prenez de prenez de ces deux là mm. et il s'agit d'Abu Bakr et de Omar et ce sont les meilleurs après donc les prophètes sont tout cela. donc les les, les, les étaient respectueux pas de parce qu'ils connaissaient leurs valeurs. Mmh. Ils étaient respectueux. Ils ne, je n'insultais pas mes compagnons, a dit le professeur Sallam, par celui qui détient mon homme dans sa main. Si vous, si vous dépensiez le mot d'or, vous, vous ne pouvez pas atteindre même leurs dépenses d'or d'un moud, même de la moitié. Mmh. Donc ils savaient à qui, à qui ils avaient affaire. Dieu les avait choisis pour cela. Donc les Tabeïnes, c'est, euh, ils demandaient... Ici, il y avait un avis, donc ils récoltaient plutôt les avis des compagnons avant leur mort. Et donc, quand on dit voilà, comme tu dis, kaww sahaba, voilà un compagnon, ce qu'il a dit, s'il n'avait pas été contredit par d'autres, et on le prenait, on dirait que ça faisait donc euh, pas l'unanimité. Donc ça fait le consensus parce qu'ils oh, ont été consultés et ils sont tombés sur cet avis-là. Qu'est-ce que tu vas chercher De la notoriété Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est-à-dire qu'eux, ils auraient connu moins que toi. Et toi, maintenant que tu viens, ayant pris des sciences d'eux de, et peut-être de chez tante, tu vas venir te retrouver avec uh, de nouvelles solutions. Alhamdulillah. Allah a dit le prophète, Allah ne rassemblera pas ma communauté sur le faux. et que ma communauté ne va pas uh, rester sur le faux. Or, les croyants, qu'est-ce que dit Allah dans la Sourate uh, An-Nisa, verset 115? Allah dit dans ce verset 115 la mal, mal, il t'abandonne celui qui diverge Et ce que le messager a apporté et qu'il a expliqué, et que, qui a été suivi par les croyants. Les croyants, à l'époque de la révélation, forcément, ce sont les compagnons du processus. C'est que si les compagnons avaient été d'accord sur un sujet, c'est que c'est Allah qui l'a voulu et que Allah l'avait agréé. Autrement, il aurait révélé ce qu'il aurait révélé. Donc ça, c'est un des versets qu'utilisent les, les gens de science pour dire que la parole de compagnon, sans être une parole de courant, mm -hmm. entre guillemets, si les compagnons étaient, euh, étaient en consensus sur une chose, le problème ne se pourrait pas parce que Allah a voulu que, dans cette communauté bénie, qu'il n'y ait pas donc une, un consensus sur du faux. Voilà. Après, s'ils ont divergé, ce moment-là, mm. on prenait l'avis quand c'était Abu Bakr et Omar, on le privilégiait à propos, enfin, comme on a vu le hadith du professeur Salman donc, suivez ma sunna et la sunna des chulapas bien guidés sur lesquels il n'y a pas de divergence entre les gens de science qui sont les quatre premiers califes. Donc, si effectivement la, 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 un, un avis ou les avis venaient de ces quatre-là, ils étaient privilégiés par tous les compagnons que dis-je, n'en parlons pas donc des tabeilles. Donc, la parole de compagnon, s'il n'y a pas... De, de, de contradictions, il n'y a pas beaucoup de paroles, qu'on n'a qu'une ou plusieurs paroles de compagnons qui n'a pas été contredite elle est considérée effectivement comme source, comme source de loi. L'autre aspect qui a marqué cette, cette période, celle des, des Tabi'ines et surtout des, des jeunes Sahaba, c'est l'apparition des, des, des divergences. Des divergences à la fois euh, politiques et à la fois aussi dogmatiques. Euh, C'est l'apparition des... Euh, on a vu le Khawarij, euh, aussi euh, effectivement certains qui, qui, qui ont choisi de suivre Ali euh, et, et de, voilà, qui, qui ont créé effectivement certaines, certains troubles. Du coup, à ce moment-là, on a, on a commencé à faire face à, à beaucoup de divergences, surtout de la déviance. Et les Théabéens, ils ont fait un effort considérable pour se recentrer sur la sunna et pour la protéger justement de tous ces avis parce que chacun il avait effectivement des avis où il suivait un mouvement et du coup parfois ils inventaient des avis, ils inventaient des hadiths justement pour venir conforter leurs avis du coup il y a eu un élan extrêmement important à ce moment là pour protéger justement la sunna du prophète non mais effectivement c'est il y a eu après la mort du Prophète, Salam, surtout après la, la, le décès des grands des, des grands compagnons du mmh, Prophète, Salam, les jeunes compagnons qui, qui n'étaient pas moins mmh. valeureux étaient là pour assurer et éduquer euh, la communauté pour une, une unité. Et effectivement après eux, parce que les mmh. divergences et tout ça sont venus après les compagnons du Prophète, même si elles euh, ont commencé à apparaître euh, avant la mort des jeunes compagnons. Donc mmh. du fait, de ce fait là, ils s'attachaient. « qawlu sahaba » comme tu dis, à leur éducation, à leurs paroles, et également ils mettaient tout en valeur pour euh, essayer de, de, de voir qu'est-ce qui procédait de, de, du faux ou qu'on avait fabriqué ou pas. Et donc à ce moment-là, ils ont effectivement commencé à vérifier les paroles et l'éducation des uns et des autres qui prétendaient entendre une parole, puisque on peut, comme on dit... Euh, dans un proverbe africain, le, le, le menteur, son témoin se trouve se, de l'autre côté de la rive. Et comme la personne est morte, on ne peut pas aller la vérifier. Mm -hmm. Et donc, on va commencer alors à étudier, à classer, à connaître la vie des gens, pas pour espionner, simplement pour connaître leur fiabilité mm -hmm. euh, de mémoire, également leur attitude, leur droiture morale, etc. Exactement. Tout ceci, pourquoi Parce que c'est pas. Même du temps, les compagnons du Prophète sallam ont dit qu'Abou Bakr, il exigeait. Quand on te dit, bon, il n'a pas tout su, pourtant il était souvent, souvent avec le professeur. Salam. Quand quelqu'un amenait Hadith, on dit qu'il exigeait deux témoins. Deux témoins qui... Est-ce que tu peux amener deux témoins qui ont entendu tout ça par, par aura, comme tu l'as mm. très bien dit la semaine dernière, tout ça par, par, par honnêteté intellectuelle, tout ça par crainte du Seigneur Subhanahu wa Ta'ala. Et donc Omar, c'était à peu près ça. Et on dit qu'Ali qu l'agrée, que quand quelqu'un amenait, il lui demandait de jurer. Voilà. Donc ils prenaient vraiment des précautions et ceux qui sont après eux les ont suivis. Et donc dans le très bon exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, par lequel il fait leur éloge, c'est qu'ils les ont suivis dans l'excellence. Donc ils ont suivi cette méthodologie-là, tout avec un seul but, c'est de plaire à Allah, dans la crainte d'Allah. Et donc c'est pour protéger donc la religion d'Allah que l'on puisse, bien entendu, dans le Coran et dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa et, et, et ce moment-là a commencé effectivement, tu, tu as dit, ce, ce, cet effort de vérification de euh, ceux qui rapportent, des rapporteurs, parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de, de personnes qui sont venues de l'extérieur liées à l'expansion de, de, euh, de l'Empire musulman qui a effectivement allé et touché à gauche, pardon, les, 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 que ce soit vers l'est ou vers l'ouest. Parce qu'il faut, lu... faut rappeler oui. effectivement que c'est à l'aide de la Chine jusqu'en Andalousie. Aujourd'hui, on euh, aujourd n'imagine pas, on dit que la Tout Russie fait. est vaste. Hein. Tout à fait. l'Empire Du temps de Othman, ceux qui ont été éclairés par la lumière de l'islam, ils allaient de l'Andalousie. Jusqu'en Chine. Tout à fait. Voilà, donc on peut imaginer la charge que pouvait représenter exactement. la responsabilité quand nous, on est des, souvent des, pas de très bons pères de famille. Tout à fait, donc, nah. exactement. Et, et à ce moment-là, on a vu la vraie compilation des hadiths. On l'avait on avait, on évoqué lors de, de la série sur l'enregistrement de la sunna. Et on avait parlé, par exemple, de... J'ai abzuhri qui est le premier à avoir compilé effectivement la Sunnah sous ordre de Ammar ibn Abdelaziz, qui fait partie des tabi'in également. Tout à fait. Il fait partie des grands tabi'in qu'Allah subhanahu Wa Ta'ala l'agré. Et, et pourquoi Parce qu'à ce moment-là, on a commencé à voir que les Sahaba disparaissent de plus en plus, effectivement. Il a de moins en moins. Et ils avaient cette crainte que la, la Sunnah du Prophète se perde. Il n'avait plus cette crainte qu'avait Omar ibn Khattab Abou Bakr auparavant, que la sunna se mélange effectivement avec le Coran, avec le parce que Uthman a fait, ce travail considérable vrai, avec d'autres sahabas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense par le meilleur, pour euh, rassembler les, 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 tout ce qui a été. Euh, prendre, pardon, ce travail qui a été commencé par Abou Bakr, justement. Okay, okay. Et il a repris, et à ce moment-là, il, il a diffusé les masahibs de dans les, les, les différentes contrées. Et à ce moment-là, ils se sont. Rassurés, du point de vue, disons, voilà, sur l'intégrité du Coran, qu'il n'allait pas être mélangé avec autre chose, ils ont commencé à ce moment-là à, 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 à narrer les, les, les hadiths du Prophète les rapporter. Et on parle, par exemple, d'Abu de, 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 de Huraira, qui est le, le rapporteur le plus prolifique, parce qu'il est resté beaucoup de temps avec le Prophète très très proche de lui tu peux, peux peut-être nous en parler et, et il disait que il, à ce moment-là il, il a commencé à, à rapporter tout ce qu'il connaissait et on lui a posé la question, il lui a dit euh, effectivement tu peux, maintenant tu rapportes beaucoup il a dit parce qu'à l'époque de la Ramal, si je rapportais il m'aurait frappé. Ouais. Je n'avais pas rapporté autant, ah, ils m'auraient frappé, effectivement. Ben là, je, parce... peux je peux me le permettre. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient contre oui. la sunnah, c'est juste parce qu'à ce moment-là. à ce moment-là, ils ne se voulaient pas, effectivement, ils faisaient très, très attention par rapport à ça. Ça, c'est l'intelligence. Honnêtement, c'est qu'à calable Parce que quand tu entends comme ça, c'est pas normal. Euh, pourtant, certains mm -hmm. jeunes, Abdallah mm -hmm. ibn Amr ibn étaient l'un des rares qui pouvait écrire, qui avait écrit. Le Prophète mm -hmm. le savait, il n'avait pas interdit. Mais que ceci ne soit pas une, euh, une, une pratique générale où ils vont confondre euh, dans les écrits. On va peut-être écrire des commentaires sur le Coran, euh, sur les hadiths, etc. Donc, effectivement, Am Abraham ibn Khattab, de ce qu'Allah lui a inspiré, a interdit, euh, parce que c'est ce qu'il fallait faire à l'époque. Donc, que ceci soit quelque chose de bien ancré dans les cœurs et le Coran, il n'y avait pas de discussion entre les compagnons, même si aujourd'hui, quelques idiots discute de la véracité, on en a déjà parlé effectivement dans la série de la lumière du Coran, de la dernière Exactement. série. Donc il y a la communauté était unanime euh, sur sur le Coran. À partir de ce moment, les gens ont commencé, à ben, commencer. Allah a voulu donc, conserver comme il a promis son livre et sous différentes euh, sous différentes lectures. Et à ce moment-là, ils, ils ont commencé effectivement, comme tu dis, à euh, sans risque puisque la communauté était mmh. unanime dessus, à récolter, à mettre par écrit. Donc de peur, comme Omar Ibn Khattab, il est venu trouver Abu Bakr. De peur que le, le livre d'Allah, il soit perdu comme d'autres l'ont perdu. Là, de peur que la Sunna se perde. Et effectivement, à ce moment-là, euh, Abu Huraira ou d'autres qui Allah lui a donné ce qu'il lui a donné, il a rapporté plus de 6000 hadiths. Et c'est le compagnon du Prophète qui a rapporté le plus de hadiths. Et pourtant, il est rentré dans l'islam à cet âge. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a bien d'autres hadiths. Sans les compagnons du Prophète Salam qui étaient rentrés dans l'islam plus tôt, euh, on les aurait certainement perdus. Mais à ce moment-là, ils le rapportaient parce qu'il n'y avait plus de crainte de mélanger le Coran avec autre chose. Et c'est pour cela d'ailleurs une des sagesses pour lesquelles c'est un reproche à Othman qu'il a fait détruire tout autre que cette, cette, cette version mm -hmm. sur laquelle les compagnons sont unanimes. Certains disent oui, mais Ibn Masaoud avait une version, tel autre avait une version, mais c'était juste des choses sur lesquelles on pouvait trouver des choses à la marche, que les gens ne le considèrent pas, en particulier les deux dernières surat, la Et donc, c est, c est, on peut. En prenant une, une version individuelle, que lui sait bien sûr pourquoi il, a, il, a, il a fait cette annotation, on peut le prendre pour du Coran, alors que c est, c est, ça n'en faisait pas partie. Donc Allah subhanahu wa taala a envoyé des hommes vraiment dont la préoccupation était euh, l'islam l'agrément d'Allah subhanahu wa taala qui a amené comme on le sait Omar ibn Khattab à proposer à Abu Bakr qui a finalement accepté avec Zayd ibn Thabit mm. tout ce qu'on a raconté et donc le hadith à ce moment a commencé effectivement qu'Allah bénisse euh, donc le calife Omar ibn Al et, 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 et nous savons donc ils ont commencé à ce moment à les compiler et pour euh, par crainte que ça se perde et pour souci de sauvegarder l'islam. ça, Cette, cette initiative-là a eu un impact extrêmement fort. Parce que, voilà, le, là, il a vraiment donné les moyens et il avait effectivement demandé à Abou Bakr ibn Hazm, qui était le, le gouverneur de Médine à ce moment-là, parce que Médine concentrait la plupart, effectivement, des sahabs avec la plupart de la science à ce moment-là. Et ça là, effectivement, ils ont commencé ce travail d'écriture et ça a lancé vraiment ce travail de compilation. On a eu, après, alhamdulillah, comme on avait vu, beaucoup plus de compilateurs, que ce soit les mêmes Alhamdulillah, et d'autres qui ont écrit et qui ont commencé vraiment à écrire et à rapporter la sunnah du Prophète. Euh, autre, autre aspect qui, qui est important à ce moment-là, c'est que les Sahaba, ils ont commencé aussi à se, à se. Comment dire Pas se disperser. C effectivement. À, à voyager, oui. juste après l'époque de Othman. C'est qui, qui leur a autorisé justement de le faire. Pourquoi Pour diffuser juste la moi, science, diffuser la parole d'Allah et de son prophète. Mais D'autant plus qu'il y avait, comme on l'a dit, de, 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 de la Chine tout en tout Andalousie fait. si tout, à tout le monde restait à Médine. Oui, bon, soit tout le monde venait à Médine, oui. soit alors la, la, la religion euh, sera déformée par des gens qui ne connaissent pas les ignorants. Exactement. Et donc il y avait une nécessité qu'Allah le bénisse. Vraiment, dans chaque acte qu'Allah a voulu qu'il pose, il y avait une mmh. sagesse dedans. Et donc c'est pour cela qu'il faut prier pour eux plutôt que de commencer à aller chercher, à des, des, aller chercher des, des détails et donc, non vérifiables d'ailleurs sur leur vie. En tout cas il faut voir comment ils ont donné, Allah leur a donné l'intelligence, Allah les a choisis et donc il faut respecter le choix d'Allah subhanahu de ces hommes. Et du coup, on a vu des sahaba partir. Il y a eu Abdullah ibn Saoud qui était parti bien avant, effectivement. Le temps de Omar. Oui. On a vu euh, Abdullah ibn Amr bin As. Euh, Amr bin As, effectivement, qui est parti, est parti en Égypte. Du côté de l'Égypte. Hein. Du côté de l'Égypte. Alhamdulillah, il y a Muawiyah qui était côté de, côté de, de Shem. De, de, Alhamdulillah. Et du coup, ça, ça a permis de diffuser. Ça a permis également de. Euh, d'avoir justement des tabayyins un peu partout, dans toutes les... effectivement, oui. dans, et du ulama aussi. Donc on va dire que c'est mm. ceux qui ont vécu, Plus avec des des qui ont vu, rencontrer les compagnons du Prophète en mm. tant que musulmans, mm. et mm. qui mm. sont morts dans... on a, on a défini les compagnons, mm. donc c'est juste une parenthèse. Okay. Un ce c'est pas quelqu'un qui a vécu euh, au deuxième siècle mm. de l'Islam, de, de, de l'Egypte, etc. Mm. C'est un musulman, il, est mis, il a embrassé la foi, il a rencontré les compagnons et il est effectivement mort dans l'islam. Voilà. Mmh, exactement. Et du coup, on a vu l'apparition aussi à ce moment-là de, de, de beaucoup de savants de, de Mawali, effectivement, ceux qui, qui étaient esclaves affranchis. Et ça a ouvert un peu, effectivement, parce qu'avant, on n'avait que des Arabes, purement Arabes qui étaient, qui étaient des savants. Maintenant, Alhamdulillah, on a vu comment on va voir après, il y a Nafi'a qui était mawla euh, de, de Ibn Omar. Il y a aussi, euh, comment il s'appelle, Maoula Ibn Abbas, euh, Ikrimah, ouais, effectivement. Et Alhamdoulilah, il y a Ishaq et d'autres qui, qui, qui ont été, à ce moment-là, qui, qui sont rentrés dans l'islam, qui ont commencé effectivement à apprendre. Et ça fait partie, ça a ça, produit des de, de tabi'in, ulama, de de fouqa, extrêmement... Euh, Grands, extrêmement importants, qui ont influé également sur, sur la science. Et Alhamdulillah, c'est là où on voit la lumière de l'islam qui touche chacun, ce n'est pas une question d'origine. De, de, hein? Tout à fait, ça je pense que c'est important parce que bon, certains peuvent penser, comme l'a dit le Prophète sallam, pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, d'un non-arabe sur un arabe, si ce n'est pas la piété. Et Allah a voulu démocratiser, entre guillemets, si on peut l'appeler mm. ainsi. Avant, il n'y avait que les Quraïchens. Des Arabes purs, et ensuite les plus grands savants, de, 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 juste après les Compagnons, des de Tabéines et des gens qui ont suivi, les, parmi les plus grands savants, Hassan al-Basri et d'autres, mm. c'était tous, des, soit des Arabes qui avaient été affranchis, soit des, des, des non-Arabes carrément, mm -hmm. donc euh, qui ont pris à cœur, de, parce que l'islam n'appartient pas aux Arabes, euh, ni aux non-Arabes, donc ils ont pris à cœur vraiment la. la Allah a mis la, la, la foi dans leur cœur et il l'a embelli dans leur cœur, et donc ils se sont, sont donné corps et âme pour défendre et répandre effectivement la, cette vérité-là. Et euh, Allah a choisi qui il a voulu, et notamment donc, de n'importe quelle origine. Et, alhamdoulilah, on, on, à ce moment-là, vraiment au moment de Sabi'in, le que la jurisprudence, a été, est devenue vraiment une véritable science. Une véritable science en elle-même, qui, qui, qui a commencé à se, à, se, à se structurer. Et on a vu la semaine dernière, on a parlé des deux écoles. C'est à ce moment l'apparition des deux écoles. Au début, c'était l'école de Médine et, et l'école du Koufa. Voilà. Et après, c'est devenu l'école du Hadith euh, versus l'école de l'opinion du Rahman. Effectivement. Et, en parlant de ça, j'aimerais juste pas. Pour, pour la culture générale de, de, de nos sœurs et de nos frères. ça c'est bien de temps en temps d'entendre les. Qu'elles étaient les figures importantes de, du, du fiqh et du ilm, de façon générale. Parce que ceux-là, à l'époque, ils, ils étaient encyclopédiques. À la fois, ils, ils connaissaient le hadith, le fiqh, le tariqh, etc. C'était des gens. des médecins. Médecin, des gens qui étaient consacrés, se consacraient complètement à la science. Ils n'avaient pas toutes ces distractions qu'on a aujourd'hui, la télé, les, machins, les enfants. C ils faisaient que ça toute, toute, toute la journée. Alhamdulillah, Allah, il a mis la baraka aussi oh, dans le bien temps, bien, dans leur absolument. temps, à ce moment-là, parce qu'ils étaient des, des gens pieux. Et à ce moment-là, on a vu effectivement ces écoles. Et quand on parle des tabi'in, des, des grands tabi'in, il y a, on va prendre l'école de Médine, qui est concentrée où il, il a les plus gros, les plus, les plus grandes parts des des Sahaba. Euh, on a vu que Médine, qui, les deux qui caractérisaient en fait cette cette école de Médine, euh, il y a, c'était euh, ibn ibn et ensuite Ibn Omar, qui ouais. a pris de Zayd. Et de Zayd effectivement, on a vu on a vu une, une bonne partie de, 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 des 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 euh, qui étaient et parmi eux les sept, ce qu'on appelle les sept les sept c'est juristes hein. du, juriste de, 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 de Médine euh, extrêmement, euh, importe, qui, qui, ont, qui ont marqué leur époque. Euh, si on peut en dire quelques, quelques mots de ces, de, de ces, de ces Sahaba, au moins enfin, pardon, des Siti que les gens un peu les connaissent, et surtout que la plupart, ce sont des fils de, 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 de compagnons. Absolument, c'était des fils de compagnons. Le... On parle parfois des quatre juristes, parfois de sept, parfois de cinq, mais oui. peu importe, il y avait beaucoup plus que ça. Oui, et, et il divergeait aussi sur les sept, sur un des sept, et il y en a qui disait tout ce pas toujours les mêmes, oui. et c'est à mieux. C'est à mieux parce qu'Allah a voulu, Abdullah laisser leur nom, et qu'Allah accorde le meilleur euh, et qu'il soit déjà au paradis. Euh, Peut-être celui qui fait l'unanimité, c'est les, les plus grands Tabéines, euh, donc c'est certainement. Euh, Ibn Moussayyib. Donc voilà, qui était connu. Et effectivement, comme tu dis, que ce soit les fils d'Ali, que ce soit les fils de Zubayr, que ce soit d'autres, ils étaient tous, et c'est logique. Je veux dire, Allah fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, mais souvent, beaucoup de temps, il fait sortir le vivant du vivant. Donc il y avait notamment Ibn Zubayr. Oui, Mais c'était par exemple au roi. Donc il y avait au roi Ibn Zubayr il y avait également euh, Mohammed. en parlant de ibn Zubair oui, al effectivement qui était euh, qui qui euh, qui était le fils de Zubair ibn al et qui rapportait qui a rapporté également de son père qui a rapporté aussi de de sa mère qui est qui, qui qui Asma, Asma, tout à fait, qui Asma Bakr. Bakr. Ah, c est Asma bint Bint exactement. Et qui est, a rapporté est... de à sa tante. ouais c'est extraordinaire. <laughs> bon, on ne dira pas que c'est plus facile, mais oui. Allah l'a honoré exactement. effectivement au roi. Et non seulement, sa ça, 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 son origine est noble et pieuse, mais Allah a voulu, s'il avait voulu, il serait un chanteur. Ce qui n'est pas le cas, exactement. Donc, il a appris effectivement de sa tante, de sa mère, de son père. Et rappelons que son père fait partie des Nis, donc ils sont déjà au paradis. Euh, la oui. nouvelle était bonne. Exactement. Et oui. il y a, comme tu as dit, et je pense que bon, le fils Rahman Ibn Aouf également faisait partie, c'est la nouvelle bonne. Également, Mohamed Ibn le fils de, de Hussein, oui. qui est le, également le fils, qui est un compagnon, même si c'est un jeune compagnon. Qui, était, donc qui est le fils d'Alib de, de et Abi Talib. Donc il y a un certain nombre de, de gens qui sont généralement les, effectivement les, oui. les enfants, et ça ne ça s'érite pas la science. Hein, oui. Mais généralement, c'est comme aujourd'hui, hein, quand on voit les savants, euh, je n'en citerai qu'un, euh, Abdelraq al-Badr, al son père, ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'Abdel qu Mouassin. Al-Badra, oui. etc. Donc c'est normal, enfin c'est normal, que le, Allah fasse aimer et laisse la science dans des familles, si effectivement euh, la motivation est sincère et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à ces gens-là. En fait, c'est ces sept, Alhamdoulilah, qui sont extrêmement euh, connus. Euh, hamdullah il y a, y a deux, 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 deux vers, effectivement, qui, qui, qui le regroupent. Euh, il dit, en arabe... فإن قيل من في العلم سبعة أَبْحُرٍ روايتهم ليست عن ليست عن العلم خارجه قل هم عروة عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه سي يا عبيد الله كي لو عبد الله بن مسعود il y a également Urwa qu'on a parlé, il y a, il y a, il y a Qasim ibn, ibn, ibn Muhammad ibn Abi Bakr c'est le petit-fils de d'Abu Bakr et qui est qu l'un effectivement de ceux qui ont le, les plus le, dans, le, dans la narration le, 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 la plus sûre de, 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 de Aïcha parce qu'il a rapporté beaucoup de Aïcha il était, était beaucoup avec elle effectivement qui était sa tante, il y a Saïd ibn Moussa dont tu as parlé, qui est Abu Bakr il ben ben, euh, y a Suleiman Bnou Zaïd et il y, y a Kharija. Kharija ben, ben Effectivement, et, et ceux-là, ils ont marqué leur, 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 cette époque et on y ajoute aussi un qui est très très connu c'est Nafé. Il est yeah. ah, je Maoula te... de Ibn Ammar. Ibn Amar, tout à fait. Et qui est ouais. l'enseignant le, le... Le, le, le plus connu de l'Ibn Malik. Ammar, tout voilà, tout à fait, vrai, hein. Et il y a également Salim. Salim, Salim, qui était le fils d'Abdullah ibn, ibn Omar. Qui était, il disait qu'effectivement son père l'aimait beaucoup, l'aimait énormément, il l'embrassait, etc. Et du coup, parfois on le reprochait de pourquoi c'est cet amour. Mais Alhamdulillah, c'était celui qui a transmis la science, la science de, Omar ibn Khat, de Abdullah ibn Omar. Qui était, comme tu as dit, Abdullah ibn Omar a rapporté certainement de Omar, bien mais bien il a sûr. beaucoup rapporté de Zayd ibn Thabit. Puisqu'il ne se contentait pas Exactement. de la science, entre les guillemets, quand vas à la maison. Et il, a, il est l'un des compagnons du professeur Salam, bien qu'il soit jeune, bien enfin, qu'il était jeune, hein, mais il n'était pas si jeune que ça. C'est un jeune homme, mais il a rapporté beaucoup de hadiths du professeur Salam, et surtout, il avait. C'était vraiment un juriste. Hein, et mm. c'était de, de, parmi les, les grands juristes de, de Médine, même parmi les compagnons du professeur Salam, il était parce qu'il en connaissait, et surtout, parce qu'entre le fait de, de, de rapporter les hadiths et le fait d'être juriste. Il y a un pas supplémentaire. C'est vraiment de comprendre l'essence même de la, des textes pour essayer d'en tirer des lois. Et donc, Allah a voulu, bien qu'il soit. On aurait pu imaginer qu'il soit éclipsé par son père. c'était pas la même chose. Même si son père le considérait comme un petit, ce qui est normal. Hein, mais ça ne donnait pas en référence, puisque je me rappelle quand il a été assassiné. Je pas là, bien sûr. Quand il a été assassiné, euh, quelqu'un lui dit Et si tu nommais Abdallah ibn Omar à ta place Tu le nommais calife. Mm. Il était assassiné, et puis quand on lui donnait du lait, ça sortait par son ventre. C'est-à-dire que vraiment, c est, c est, il était condamné. Et il a dit Wallahi, ce que tu viens de dire n'est pas pour la face d'Allah. Comment tu vas nommer Abdallah ibn Omar qui n'arrive même pas à divorcer avec sa femme Donc, bon, bien sûr, Abdallah, c'est un très grand, c'est un très un très bon compagnon du Prophète, est connu même, même donné en référence pour être une chose d'extrêmement strict. Il était d'une d'une intégrité légendaire. Voilà. Donc c'était un grand compagnon et c'était. Mais en même temps, il a été, comme tu dis, euh, comme tu l'as rappelé, il a été élève de pas que de son père. Il a rapporté de beaucoup et notamment donc de Ibn Sābīt qui est le. le le compagnon de l'école de Médine le plus connu et la référence en ce domaine-là. C'était le, on pourrait appeler le moufti de Médine. Tout à fait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Et Ansar, donc, qui est très intelligent, on en a parlé. Et son fils, c'est Kharija, qu'on on parlait tout à l'heure, c'est son fils, Kharija ibn Zayd ibn Thabit et il y a Slimane Ben Yassar également qui était qui fait partie effectivement de, de ces de ces et quand on parle de Salim Salim étant le fils de Omar Ibn, Umar. ibn Umar, pardon et, et euh, il a Malik a pris de lui mais indirectement par le biais de Zuhri ah ouais ah. Zuhri effectivement c'est Malik a pris de Zuhri qui a pris de Salim mais ça fait partie des chaînes des meilleures chaînes de transmission à, à, également celle de euh, malik an nafi an ibn Omar ou bien c'est le de Shafi an malik nafi an ibn Omar, an, Omar qu'on an... qu appelle la chaîne euh, en or la chaîne d'or il y a aussi euh, euh, Nafi et salim an abi effectivement après son père et ça ça fait partie des, 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 chaînes, des... Les chaînes les plus authentiques ça c'est voilà, quand on cherche le l'or 24 carats voilà, exactement le 18 carats on est content mais quand on a dit 24 bon c'est vraiment l'or pur quoi exactement et ça quand un hadith contient cette chaîne-là, c'est pour ça que la personne Exactement. a la, la chaîne d'or. Hein. Là, c'est pas la peine d'en discuter. Quoi. Exactement. Ah. Il y en a fait, on a parlé effectivement de Salim, il y en a, il y avait d'autres, ilhamd, effectivement, il y a Abou Bakr ibn, ibn Hazm, il y avait... Euh, J'ai oublié, oublié ce nom, mais il y en a d'autres, effectivement, des... Oui, il y avait bien plus que, que sept. Ça. Hein, il y en avait plus que sept, ilhamdouillah, il des fouqaha qui étaient très très connus, des tabi'in, on parle vraiment des tabi'in. Oui, Ensuite... Oui. Il y a l'école qui faisait partie de l'école de Hadith, celle de Mecca. Celle de la Mecque, qui était proche, parce que ça fait, fait partie des terres de la révélation. Et le euh, chef de, de file, entre guillemets, étant euh, Ibn Abbas. Abbas. Hein, et du mal. coup, il y a eu <laughs> ses élèves. Et ses élèves les plus connus, si tu peux juste nous en parler, ses élèves, je... ceux qui ont non, apporté de lui. C'est enfin, ce qui me vient directement en tête, mmh. euh, c'est plutôt Moudjahid. Oui, exactement. Qui est connu, donc, euh, et qui surtout, en même temps, on en a parlé là, dans, la dernière, dans la série. Euh, euh, précédente, c'est sur l'explication du Coran, celui qui était accompagné souvent. Donc, moi, c'est celui que je, je, je citerai vraiment un premier comme Mujahid, qui l'a souvent accompagné. Effectivement, il y a Mujahid et Ata. Ata, non. Ata, qui, qui fait partie, il disait qu'à qu son époque, quand les gens venaient faire le Hajj, on appelait Aminen, il disait qu'il n'y a aucun qui fait des fatwas qui répond à euh, Aminen sauf Ata. Parce qu'il était <House> est effectivement quelqu'un qui avait une connaissance extrêmement fine de de le manasik de le Hajj. Il y avait Ata il y avait Ikrema. effectivement. Il y avait euh, il y avait euh Mujahid, dont tu as parlé, ah barakallahu fikl, euh, qui était qui, qui était extrêmement connu. Et également euh, on a on a parlé euh, de l'école de, Koufa. l'école de Kufa. Si tu pouvais juste, quelques-uns, enfin on connaît Abdullah ibn abdullah c'est lui-même le... <laughs> qui est élève d'Amar ibn Khattab. Exactement, Parce que ça, je pense qu'il faudrait que les, les gens qui parlent de raï et tout ça, qui est l'un des plus intelligents compagnons du précédent, l'un des meilleurs, c'est Omar ibn Khattab. Et comme exactement. je disais, il était courageux, il était ambitieux dans la mesure où il voulait que les, 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 la, la communauté reste la meilleure, etc. Donc il était très exigeant, très pieux. Et donc Ibn Mas'oud était, et comme tu l'as dit la semaine dernière, il a envoyé à, à, à Koufa euh, celui qui l'aurait aimé rester à côté de lui. Et Ibn, Ibn Mas'oud, on dit qu'il était le. le Lui-même a dit qu'il était, quand il est rentré dans l'islam, il n'y avait, avait que six musulmans. Voilà. Donc il était très proche du prophète Salam, il rentrait souvent chez le prophète Salam, Donc il avait beaucoup de hadiths même s'il ne fait pas partie des sept qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète Salam, mais il avait une, une intelligence, il était de l'école de Omar, si on peut parler d'école oui, aujourd'hui. Exactement. Hein. Voilà. Et il quand il avait, il dit que quand il a la parole de Omar, ce n'est pas la peine de lui demander son avis. Exactement. Voilà, parce exactement. que Omar, Allah lui a donné ce qu'il a donné et la confiance que Allah a voulu que la communauté mette sur lui et l'intelligence qu'il a donnée suffisent. Donc il, y avait, il est vraiment le la référence donc euh, Ibn Masaud de donc donc de cette école là de, de Kufa. Son élève le plus connu étant euh, Al Qama. Et après Al Qama il y a, il y a Al Qama al et son élève et, Ibrahim Ibrahim, Ibrahim nakhai qui va être d'ailleurs un des maîtres Abu de Abu Hanifa. De, de de Hamad, via, Hamad 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 Musayman et, et ensuite ab Abu, Abu Hanifa. Hanifa là, même, et également ce qu'on connaissait Yama effectivement qui est euh, qui était qui était très très connu il y a habib il y a également le celui qui est très connu c'est shura al-Qadi. shura al-Qadi qui était le on peut dire le juge par excellence dans l'islam, parce qu'il je crois ouais. qu'il est resté juge il me semble si je me trompe pas 70 ans ouais, cool. il a été juge euh, autant de il me semble abou bakr de Omar de Othman, il est resté juge pendant très très longtemps, c'est pour ça qu'effectivement on peut. On l'appelle Qadi. C'est pour ça qu'on appelle Sharih al-Qadi. Parce que c'était le juge. Lui, c'est la référence en étant le juge, alhamdoulilah. Et c'était quelqu'un effectivement qui était à Il a fait parce qu'être juge, ce n'est pas un cadeau. Et surtout qu'il a été juge à l'époque de ses sahabas. C'est pour ça qu'on voit son mérite, alhamdoulilah. Et ensuite, il y avait le Basra. Et dans le Basra, si tu pouvais me parler, il y a Hassan al-Basri. C'est l'une Hassan des Hassan. références ah, si, qu'on dit que euh, c'est la sagesse même, bien, que, bien sûr. Allah lui a donné, on dit que c'était euh, qu'il a été éduqué entre guillemets, et même pris le, le sein entre guillemets, en tout cas il a été oui. éduqué dans la maison du prophète sallam par Oumu Salama. Et donc c'est quelqu'un qui, euh, qui est dans les paroles Allah a voulu les laisser, euh, même si c'est pas un, nommé parmi les plus grands spécialistes du hadith, puisque bon, pour, oui. pour des raisons scientifiques entre guillemets, Hassan al-Basri était, comme son nom l'indique, était vraiment la référence de, de Basra. D'ailleurs, on dit pourquoi, euh, quelle est la personne la plus aimée de Basra de, à ce moment-là On dit que c'est Hassan al-Basri. On dit pourquoi il dit parce que, On dit parce qu'il il n'allait pas chez les gens pour demander quoi que ce soit, et les gens avaient besoin de lui, à cause de sa science. Donc il a donné beaucoup beaucoup de sentences, notamment pour ce que tu viens de dire, quand il y a eu des mouvements et le reste pour calmer les uns et les autres, pour, avec les déviations et les fuites mm. qui ont pu arriver, il était de ceux qui ont dit entre autres, ça peut être aussi vrai aujourd'hui, il dit que quand il y a une quand il y a une, une tyrannie des tyrans, il dit c'est à la colère d'Allah, mm. voilà. et que la colère d'Allah on l'éteint pas par l'épée. Par la révolte, on l'éteint plutôt par la demande de pardon. Entre autres sentences, je trouve que, qui, est, qui est très belle, que ce soit dans une famille, que ce soit dans n'importe quelle situation, quand il y a une tension, euh, si Allah avait voulu, il aurait mis la sakina, il aurait mis vraiment la quiétude, il aurait mis la paix. Mais si ceci n'est pas le cas, revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala en train de euh, demander pardon, parce que c'est certainement à cause de nos fautes. Exactement. Et dans et, et Basra, il y a aussi Ibn Sirin. Que qui est connu pour, pour autre chose, exactement. mais qui faisait partie effectivement des, de cette génération et des savants, mmh. donc euh, de Basra, et qui, même son livre le plus connu des arabophones, L'interprétation des rêves, ne vient probablement pas de lui. De lui voilà. Mais bon, comme nous on aime les, les choses insolites, exactement. donc on va aller puiser souvent dans ce livre en disant j'ai rêvé d'un chien noir, <laughs> donc il va m'arriver ceci et cela. Et surtout aussi, il faut faire vraiment très attention, ça c'était même avant. Même avant l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, que dire mm. Donc, déjà, des gens ont détourné de ces grands hommes, euh, ont le, le, on utilisé leur nom pour se faire, pour se faire de l'argent pour faire euh, autre chose. Que dire alors aujourd'hui avec euh, l'intelligence artificielle et l'utilisation que l'on peut en faire de Google ou d'autres En tout cas, Barak Allahoufik, et aussi il euh, y avait Abu bas Également, il y avait Qatada, Qatada ibn al effectivement qui ça qui fait, ça, fait partie, partie des plus grands, hein, surtout dans, dans la science, on en a parlé, dans la science du Coran. Du Coran, hein, hein, exactement. Du à... coup, comme je disais, c'était des, des ulamas encyclopédiques, qui connaissaient le Coran, la Sunna, parmi les grands, effectivement, certains ont des idées plus de spécialités Malgré certains... que, d'un point de vue dogmatique, Qatada n'était pas, une la, la, son dogme n'était pas, enfin, certains mm -hmm. de ses points de vue, n'était pas unanimement reconnu, les, les savants ne sont pas injustes, ils sont justes. Mmh, ils le citent chaque fois au besoin, ils le citent parmi les plus grands savants, même si, je veux dire, certains aujourd'hui mmh. vont dire, ah oui, mais il a dit ceci ou il a dit cela, mais néanmoins, c'est comme un ah oh oui, c'est comme n'importe quel savant. Et Allah leur a donné ce qu'il leur a donné, hein, qu'Allah leur pardonne. Et ce message que je veux faire parvenir à mes frères et sœurs, c'est que certains, pour ce qu'ils ont fait, il se peut qu'Allah leur pardonne, c'est que ce qu'il ne pardonnera pas à quelqu'un d'autre. C'est des, des grands hommes qui étaient sincères, Allah le sait, qui ont fait l'Ijtihad, puisqu'on parle de, puisqu mmh. de fiqh, et qui ont pu se tromper sur ceci, cela. Mais effort ont, les efforts qu'ils ont fournis, et Allah sait qu'ils ont été sincères, il se peut qu'à cause de cela, Allah ne, ne leur tienne pas à rigueur du tout des erreurs qu'ils ont pu faire. Et donc nous, on est là souvent en ne voyant que les erreurs des uns et des autres, des contemporains et même des anciens qu'on ne connaît même pas. Et ça, je pense que c'est vraiment, si c'est une preuve, c'est vraiment une preuve de la maladie du cœur de faire ce rappel et et ses compagnons pardon c'est ils avaient ils pris d'une source une source pure entre guillemets celle des des sahaba des compagnons qui qui ont qui sont abreuvés d'une de la source de la révélation du prophète et parmi effectivement ceux qu'on qu'on voit qu'on connaît enfin pas on connaît moins, mais qui ont brillé à ce moment-là des tabe'in euh, et qui ont plus tard euh, fait l'unanimité parmi le lama on a les ibn Sa'd fait partie effectivement du ulama plutôt en Égypte dans et qui a été, été maître de Imam chef et ta'ala la la deuxième partie de sa vie exactement dans la deuxième partie de sa vie, si la vie Layth ibn euh, qui était faisait euh, avait une euh, un, il avait une école de jurisprudence même si l'Eïs Ibn Saad pardon il était, était pas un Chabbi mais il faisait partie effectivement de ceux qui avaient qui avaient cette euh, cette science extrêmement extrêmement proli', pro, 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 prolifique et même et même disait que de l'Eïs de Saad qu'il était afqa min que lui qui a connu les deux il disait il était il était plus avant sur le fait, effectivement, que Malik, c'est juste que ses élèves ne l'ont pas servi. Parce que Leïs ibn Saad, il avait un medhub, il avait une école qui, qui était a, qui a disparu aujourd'hui aujourd qui était jusqu'en Andalousie. Effectivement, l'Andalousie, jusqu'en en, l'an, je pense, 200 300, ils étaient sur le medhub de Leïs ibn Saad. Et après, Yahya ibn, Yahya ibn Kassir, effectivement, qui est venu. Et c'est là où ils ont basculé vers le medhub malikite. Euh, en parlant des, des, des Tabi'ines, effectivement, euh, je voulais euh, aller un peu plus loin et, 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 se dire, et <coughs> commencer à parler de, des écoles, des véritables écoles et des madahibs. Euh, il nous reste 20 minutes, c'est juste pour qu'on puisse la semaine prochaine, hamd, commencer à parler des, des quatre madahibs. À partir de la semaine prochaine, mais juste vous montrer effectivement comment comment ça ces ça euh, ces écoles ont été fondées et surtout la, la lignée ou, ou la relation euh, qui y a eu entre les tabi'in, et ces écoles. Quand on prend, on en prenait tout à l'heure, on parlait de l'imam chef, qui a pris de l'imam malik, qui a pris de Nafi'i, et de, 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 de Omar qui a pris de zayd effectivement, Ibn Thabit, ça c'est une chaîne, c'est la chaîne effectivement de l'école de Médine euh, et, et imam il l'imam Shafi'i l'imam Ahmed a appris de lui du coup c'est un peu vrai. effectivement fait partie de cette école de, de l'hadith et il faut savoir que, que l'école de Mecca c'est Ibn Abbas euh, radhi, an, son élève c'était Amr ibn Dinar un de ses élèves, les grands élèves il fait partie effectivement des ulamas les plus importants en de Hadith etc et qui est euh, un de ses élèves c'est Soufiane ibn Uyayna. Et, euh, et qui était un des maîtres de l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. Du coup, quand on prend effectivement, il y a l'école de, de Zayd et Ibn Omar, il y a un passage effectivement qui est qui, qui, en tout cas une lignée où, une, où ils ont, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, ils ont pris de lui, ils ont pris aussi de l'imam Malik, mais on voit également que l'école euh, de de euh, D'Ibn Abbas, r. R. A. il a eu aussi une influence sur l'imam euh, Shafi'i et l'imam Ahmed. Les deux. Les, les deux. Et également, celle de l'école de le, le Kufa, euh, celle de, de l'Opinion, également, elle a eu une influence sur l'imam Shafi'i, et même l'imam Malik. Dans quel sens Parce que l'un des élèves, euh, ou on va dire des compagnons d'Abu Hanifa, <muchemme> 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 il s'appelle Mohammed <muchemme> bin Hassan <muchemme> il, était, euh, il est venu effectivement, il a pris de l'imam Malik et l'imam Malik a pris de lui. On dit même qu'Abou Youssef également. Et était également il, il, a pris là, Tout à <muchemme> il a posé des questions à l'imam Malik et Mohammed bin Hassan <muchemme> Et aussi, il a pris, l'imam Shafi'i a pris de lui. Tout à fait. Et du coup, le même chef a appris de lui et Ahmed a appris de lui. Du coup, il y a toujours. En fait, ils avaient tous une relation. Et, on se... et, et, et pourquoi, c est, c est... on les verra après, les, ces écoles, les quatre écoles, elles ont eu, alhamdoulilah, cette place importante Parce qu'on se rend compte qu'ils ont concentré les avis, ou ils ont concentré les dérives les qui les ont précédés, ou en tout cas les écoles qui les ont précédées. Et c'est pour ça que, est resté. Grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il y a une hikma là-dedans pour qu'il reste tous les quatre. Certainement. Certainement, ouais. parce que, comme tu dis, je pense que c'est surtout une question d'ouverture d'esprit. Ce n'est pas parce que moi, je pense connaître plus que l'autre que mm. l'on prend. Et on, je ne prends pas de l'autre, je n'ai même pas le dire. On dit que même l'imam Abou Youssef, je dis imam parce qu'il était imam, euh, quand il est venu à Médine, on dit qu'il a prié selon le rite entre guillemets mm. simple, On dit pourquoi il dit parce qu'il est dans... La, 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 une mosquée où l'imam est un imam de référence etc, etc. peut-être qu'il en connaissait autant voire plus donc c'était des gens qui étaient modestes et Allah mm. dit n'est-ce pas ma min ce n'est craint vraiment Allah que les savants et donc ils étaient fraternels ils pouvaient avoir des discussions et des divergences euh, je ne dis pas profonde, des divergences légères, mais avec des preuves, chacun avait des preuves. Il ne faut pas penser qu'une euh, école, parce qu'on dit que c'est l'école de l'opinion, mm -hmm. qu'elle ne s'est basée pas sur le hadith, et même, euh, même de, du peu que j'ai vu dessus, euh, il y avait même des divergences d'interprétation mm. dans les écoles, même par rapport à la langue arabe. Et quand, euh, quand on dit... Euh, quand on dit que tout ordre, euh, en langue arabe, quand on dit que tout ordre euh, vaut obligation, obligation, certaines sauf euh, dérogation ou sauf précision, et d'autres vont plutôt comprendre que euh, tout, tout, tout ordre est plutôt euh, une, une recommandation, sauf euh, une preuve. Que c'est une obligation. Donc ça, ce sont des divergences. hamdullah de la langue arabe qui est très riche, comme peut-être d'autres langues, et également d'une question de compréhension et des hadiths que l'on va prendre, euh, comme certains acceptent, notamment à l'école de, de l'opinion, euh, des hadiths mursal. Oui. Donc, où on parle du tabéine et le tabéine qui renvoie au professeur Sallam, bien sûr qu'il ne l'a pas vu. Donc, est-ce que c'est un hadith qu'on peut utiliser? Et comme tu l'as dit la semaine dernière, je pense que c'était très important, le fait que il euh, y ait eu des passions, des divisions, même, même des guerres il euh, y a eu beaucoup de hadiths qui ont été inventés et donc est-ce qu'on peut faire confiance à des hadiths euh, sur, lequel, euh, sur lesquels sur euh, lesquels plutôt euh, et on peut avoir des doutes parce qu'on ne connaît pas euh, le, le penchant donc de ces de, ces, de ces gens de, de ces gens qui participent à cette chaîne etc alors que l'école de Médine euh, bon se basait que sur les hadiths pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents pas parce qu'ils ne voulaient pas du bien simplement parce que quand il y a un hadith, donc là, on le dit souvent, ma'annos. Mm. Donc, quand il y a une révélation, il n'y a pas de je crois, je pense que même si l'opinion, même si mon intention est sincère, mon intention est bonne, et en pensant que je veux faire du bien, il y a l'intérêt général qui est là, etc. Mais c'est un hadith qui est là, eh, ben, c est, c est, c est, on doit le respecter. Et c'est ce qui a fait parfois également, euh, qui a mis, entre guillemets, à créer des divergences pour, entre les ignorants. En disant, en disant que oui, mais il y a ce hadith, mais je pense que. Donc, ça, ce sont des, des, des bases sur lesquelles euh, les savants se sont penchés et sur lesquelles ils étaient d'accord en réalité. Et, et effectivement, la, le fait de, de. Quand on parle des ce qui, qui est une voie en langue arabe, c'est la voie, le chemin. Le madahib il y a deux différences, deux typologies de madahib Il y a le Medahib fardiya, effectivement, c'est les madahib qui sont plutôt individuels. C'est quelqu'un qui effectivement qui, qui, qui faisait un jihad lui tout seul, mais qui n'a pas eu d'élèves. Mais on connaît, on a, on a effectivement certains qui, qui, qui n'ont pas eu le succès attendu du coup. Ils n'ont pas été suivis, il n'y a pas eu des, des élèves, ils n'ont pas eu un qui a été qui a été étendu, diffusé. Il y en a d'autres, effectivement, c'est plutôt des madhahibs qui étaient collectifs. Et parmi eux, c'est les quatre madhahibs qu'on connaît. Il y a également quelques madhahibs qui ont, qui ont, dis... enfin, qui ont disparu. On qui ont disparu. la Oui, Qui ont disparu, effectivement. Que Quelle est la différence aujourd'hui entre un madhahib qui, qui existe encore et un madhahib qui, qui, qui a disparu Un madhahib qui a disparu aujourd'hui, personne ne peut dire aujourd'hui, je vais faire, effectivement, je vais suivre le madhahib de, euh, de Souyan Thaouli. Soufiane Saouli, qui fait partie des grands, des grands, des, des, grands des, râmas, grâces, des, grands, des euh, très, très euh, grands savants, il avait son propre madhab, et, et il s'appelait euh, Soufiane et les Anit. Il, il est resté, je, je pense, jusqu'au 3e, 4e siècle, si ma mémoire est bonne. Et effectivement, on peut plus le dire aujourd'hui parce que leur, leurs avis ils ont il y a des, leurs avis ont été rapportés, mais c'est des avis, des avis sur certaines questions, et parfois, quand ils ont rapporté des avis, de c'est des avis qui sont parfois déviants juste pour les, pour, les, pour les mettre en avant mais leurs autres les les, les, les on, effectivement ils vont avoir un avis par exemple si on prend un avis de ibn Rahawi effectivement qui était un des compagnons d'Imam Ahmed d'ailleurs ils étaient ils, ils disent qu'Imam Ahmed ibn Hanbal il a pris beaucoup 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 de ses avis du coup tous les avis d'Ishaq ibn ils se retrouvent dans les avis de l'imam Ahmed. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, tous les Madahib qui ont disparu, leurs avis, ils ont été mélangés avec les autres. Bien sûr, ils ont été intégrés. Intégrés, exactement. Ils ont été intégrés, sauf les avis des viands qui n'étaient pas acceptables. Il faut rappeler peut-être que le but n'est pas vraiment de faire un mashab. C'est ça que je pense qu'il faut faire. Aujourd'hui, on en a fait une singularité, on en a fait l'imam, c'est le fondateur de. Non, Alhamdoulilah, Allah a voulu laisser leur nom et leur... on ne doute ou pas de leur piété, on ne doute pas de leur bonne intention. Et donc, ils sont entourés de, de, de leurs élèves et de leurs de leur contemporains qui étaient des savants. Et Allah en a fait sortir dans la discussion d un, d un scientifique, intellectuelle, par rapport aux problèmes qui se posaient et pas forcément par rapport à ce qu'on voulait. Posé comme problème, c'est quand les problèmes se posaient, ils avaient, alhamdulillah, cette crainte d'Allah qui les faisait se faire entourer par des gens de qui ils pensaient du bien. Parce que c'est pas, je veux dire, quand moi je vais demander ton avis, si je pense pas vraiment euh, de, de, du bien de la personne euh, qu'elle est pieuse et qu'elle a de la science, certainement, je vais pas lui demander son avis. Donc, euh, Allah a voulu choisir quelques noms. Parmi d'autres et Allah seul sait qui. Euh, J'aime bien cette, cette phrase dont on complète Complètement qu'on On rejette parfois des, des hadiths de gens dont on pense qui, dont on espère plutôt, qui vont intercéder, intercéder pour nous au jour du jour dernier. C'est qu'on pense vraiment que ce sont des gens qui sont pieux, mais vu qu'ils ont perdu la mémoire ou autre chose, on préfère ne pas prendre d'eux par mm -hmm. crainte d'Allah Subhanahu wa Taala de mentir sur le prophète Donc les madahib, comme tu dis, Allah garde gardé et on verra dans le détail, Inch Allah on a gardé un certain nombre pour servir les musulmans de par le monde et au, au travers des mmh. temps. Celles qui ont disparu, c'est une sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais on ne les a pas perdus. Exactement. Voilà, on ne pas, pas, voilà, pas parlé de, perdu. de, de madhavs perdus. On dit de madhavs disparus. Exactement. Mais leurs opinions, quand c'était des opinions, euh, si les quatre, si leur opinion était bonne, Allah l'aurait conservée. Enfin, les opinions qui sont bonnes sont intégrées dans les autres madhabs. Et les opinions qui sont déviantes, quand on les cite, comme tu dis, c'est pour dire que les savants sont d'accord, sauf Ibn Ouyena ou quelqu'un d'autre qui est de cet avis-là, pour dire que c'est un avis qui est plutôt un avis qui est chasse, un avis qui est de côté. On le cite parce que ça fait partie de la richesse, on le cite parce que c'est peut-être aussi pour éviter que les gens retombent dans des avis qui sont singuliers. Et pour, pour effectivement en citer, on a presque on a dépassé le temps, juste pour, pour que la semaine prochaine on, on commence directement. Bah oui. voilà, Alhamdulillah, juste, juste en parler parce que, c'est Alhamdulillah, ils font partie de nos savants, ils font partie de no, no, notre histoire et c'est des gens qui ont donné leur vie pour la science. Alhamdulillah, juste un petit hommage on, on les en les citant, Alhamdulillah, certains. On a parlé de ibn Rahawi, on a cité effectivement Al Awzai, qui était l'imam de Sham. Qui avait effectivement un Medhab également. Et Il y a... cité, je ne sais pas. Il est encore cité. Exactement. Nous, on ne le connaît pas. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas souvent cités. Mais en réalité, c'est des très grands savants, c'est des références. Exactement. Il y a les Moussaad, dont on a parlé. Il y a Abu Saour qui était un élève de l'imam Ahmed, de l'imam Abu Hanifa. Il y a également Soufiane dont on en a parlé. Alhamdulillah, il y a Ibn Jarir Tabari, il écrivait effectivement qui ne faisait pas partie de l'édite mais qui était, faisait partie des grands grands imams qui étaient au début un malikite et aussi Shafiites, parce que c'est pour ça que les Malikites et Shafiites, chacun, il l'a inclus dans ouais. les livres de biographie c'est se... vraiment étonnant, quand Shafiite est l'élève de Malik ça, exactement, Donc, exactement. Importe, exactement. du coup c'était quelqu'un, on les appelait le Jariria c'était le Jarir le Jarir Tabari s'appelait le Jariria ceux qui l'ont suivi, je pense qu'il a jusqu'au 4 e ou 5 e siècle, après il a disparu euh, il a, euh, il a disparu après il y a, il y a eu d'autres on va pas on va pas tous les citer Ça, sachant pardon que certains disent qu'il y en avait presque 50 les maddaïbes entre les médaïs individuelles et les madbes où il y était bah, collectif, collectif, non. collectif mais on a eu un certain nombre mais comme on a dit ils ont été intégrés dans les autres madïbes et certains même certains ulama disent que si tu prends on prend les quatre écoles les quatre et les quatre et les avis qui sont intégrés le, le haqq Parfois, ne peut pas sortir de ces quatre. Effectivement, certains le disent, comme n'aura et d'autres, fait que quelqu'un sorte de ça, ils disent que la vie, il est toujours dedans. Parce il a été, Ils ont rapporté l'héritage la, la, des sahabas, l'héritage de des tibéines, euh, qu'Allah les, les récompense par le meilleur. Et abdullah on va arrêter là. Et la semaine prochaine, on commencera par parler d'Imam Abu Hanifa pour que les gens le connaissent ouais, un peu plus. Ça. Et certains, effectivement, parce que de temps en temps, certains malheureusement manque de respect euh, même Abu Hanicha et des fois on prend une parole effectivement de certains sahadis, de certains ulama sur certains aspects et on vient en parler de lui alors que ça fait, il fait partie des c'est le premier des quatre et des et des il quatre. est premier des quatre il est l'un des plus intelligents barakallahu barak fik barak même certains même qu'il est Peut-être Il y a une divergence là-dessus, est-ce qu'il est, qu est tabi'i ou est-ce qu'il ne est pas, mais c'est le plus, le plus, euh, le plus euh, ancien, effectivement. Tu as fait des quatre, des en quatre. tout cas, ça, il n'y a pas de C'est le premier de, des de, quatre. Ils disent qu'il un... a, a priori, a aurait rencontré anes le, le Malik. Non, tout à fait. Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a gré. Je ne sais pas si tu as des, une non, chose non, à pas, ajouter. Non. Absolument pas, c est, c est, c est je là. pense que c'est très riche et les noms, même si on ne les connaît pas, même si on ne les cite pas, Allah le sait et comment, et tout ceci, tout ce qu'ils ont enseigné, tout ce qu'ils ont appris, leur servira certainement. Et, et ce qu'on a appris d'eux remontera jusqu'à eux au jour du jugement dernier, très certainement qu'Allah les récompense par le meilleur. Ils ont fait euh, un effort d'interprétation, des efforts d'interprétation. S'ils ont vu juste, ils ont deux récompenses. S'ils se sont trompés, ils ont au moins une récompense. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de paresseux. Il y en a beaucoup dans notre, dans notre époque. On va, on va passer aux, aux questions. Oui, salam alikoum, Cher Mohamed, barakallah fikoum pour ces échanges très très riches. Euh, les frères et les sœurs, vous remerciez beaucoup vraiment de, de, de cette pour cet échange, pardon. Euh, nous vous remerciez beaucoup aussi pour votre fidélité, ya qui dit les cours du lundi, euh, de, du, pardon du, du, du samedi et du mercredi, on est devenu comme une famille. Je reconnais tout le monde, tous les, tous les fidèles qui sont à tous les, euh, qui assistent à ces lives-là. Et, Alhamdulillah, on va essayer même d'agrandir un petit peu la famille, puisqu'on va rajouter très prochainement, Inch'Allah. Vous devez en parler, vous n'avez pas parlé, Cher, par rapport au live qu'on va rajouter aussi le lundi, qu'on vous, vous donnera la possibilité de poser des questions et uniquement des questions. On répondra à toutes vos questions, Inch'Allah. En tout cas, Cher, il essaiera de répondre à vos questions. En tout cas, Barakullah, fait comment une nouvelle fois pour votre fidélité. Vous êtes encore nombreux ce soir. Et, J'en profite juste pour ceux qui se posent la question parce qu'on a publié le Exactement. calendrier des activités. Mm. Euh, Hamdoullah, on a eu quelques problèmes, Alhamdoulilah, techniques. Il y a Taala qui décide de tout et toujours une sagesse. Euh, mm. Du coup, on a, on, on a décidé, Alhamdoulilah, de commencer à partir du dernier lundi du mois de février qui va être le 26, il me semble. Je ne me trompe pas. Exactement. Il me semble, c'est ça, hein, ouais. 26, mm. Alors, le 26. Alhamdulillah. J'ai Allah. Voilà, c'est tout pour le rappel, Mohamed. Euh, donc effectivement, il y a plusieurs questions et je commencerai par celle-ci puisque vous avez terminé notamment sur le Medahib euh, et on va très certainement en parler dans les prochains, 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 prochains épisodes. Euh, un frère ou une sœur, je ne sais pas, la question est posée, existe-t-il à l'heure actuelle un mécanisme de résolution des divergences entre les écoles euh, juridiques euh, Est-ce qu'il y a des instances ou des conseils spécifiques dédiés à, la, à une quête d'un de, de, consensus la quête, la quête du consensus. Alors, euh, c'est très très difficile maintenant de se tarir de dire qu'il y a un consensus. Extrêmement dur. Difficile parce que beaucoup beaucoup de, de, de lama. De toute façon effectivement, il y a, par rapport à la, à la croissance démographique, euh, on, a, on est. C'est très difficile que quelqu'un dise que c'est euh, un consensus aujourd'hui. Très, très difficile à prouver le consensus, du coup. Les, les, ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler les académies de jurisprudence ou les conseils de jurisprudence. Il y en a deux, grosso modo, qui sont très connus. Il y en a d'autres, là, euh, Il y a le conseil, par exemple, le conseil européen de, de, de la fatwa. Il y a ceux qui sont les deux les plus connus, c'est le majma' al, majma al il y en a deux il y a un qui est lié à, à la Arabe la ligue des pays musulmans et l'autre qui qui est qui est lié à qui est le congrès des pays musulmans il y a deux de ces académies et ces académies là leur rôle c'est quoi c'est de travailler sur des sujets de d'étudier des sujets de jurisprudence actuelle contemporain ils ont un nombre de, 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 de membres euh, extrêmement étoffés qui viennent de pays, de tous les pays de, de, de des pays musulmans du monde et qui, qui siègent effectivement. Et quand il y a une question nouvelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont euh, commander des études de la part des, de, de ces savants et ils commencent, ils viennent, ils débattent. Ils débattent jusqu'à arriver à une solution. Ce n'est pas, ils ne font pas un consensus, ils vont pas faire un consensus. C'est juste, ils vont arriver à une, à une situation, pardon, un avis sur des questions religieuses après avoir débattu. Ils prennent des avis par rapport à la majorité de ceux qui ont, qui, qui ont, qui, qui ont donné, pardon, qui ont donné leurs avis et après les, ces débats, ils vont sortir des résolutions sur des questions, des questions particulières, des questions nouvelles. Du coup, alhamdoulilah, ils, ont, ils traitent énormément de choses. Euh, ce type d'académie existe. Il y a euh, il y a des académies beaucoup plus euh, comment dire spécialisées, par exemple sur les questions bancaires, les questions de finances. Il y a euh, il y a le, le pardon de la ZACAT, il y a celui de l'association le, 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 qui existe au, au au Kuwait, sur la, sur, sur la zakat, il y a au le, 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 le Bahreïn, il y a une, une organisation qui s'occupe de toutes les questions de loi sur les banques, sur les questions de, de jurisprudence euh, de, 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 des transactions financières. Il y a, il y a un certain nombre, de d'associations, de, d'organismes de, de, internationaux qui, qui, qui travaillent. Il y a aussi des petites associations ou euh, enfin des associations sur des, des qui, qui, qui traitent de la jurisprudence et qui travaillent comme le al, al Ferria en Arabie saoudite il y en a d'autres d'autres pays euh, ceux ce qui existent par exemple au Maroc, en Algérie il y a beaucoup dans plein 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 de pays où ils discutent des questions effectivement religieuses euh, ils, ils débattent mais rechercher véritablement le consensus est extrêmement difficile, ils sont face à les divergences des ulama, effectivement, mais ils ne vont pas venir trancher en disant voilà, cet avis est meilleur que l'autre, etc., par rapport aux avis anciens. C la, la question dont ils parlent, c'est question questions nouvelles et question questions qui, qui, qui sont contemporaines. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je ne pas Tout à fait, tu je pense qu'il qu ne faudrait pas rechercher d'unanimité euh, ou le mm. consensus sur des. Il y a quatre écoles, mm. on verra, là peut-être quand on mm. comprendra leur méthodologie, on verra pourquoi il y a eu ces divergences-là. Mm. Euh, ce ne pas des positions qui sont inconciliables, mais après euh, étude de la situation à ces moments donnés et avec les données scientifiques qu'ils ont, avec la méthodologie, ils sont arrivés à, à, à ceci et à cela. Donc vouloir euh, les, le, gommer mm. les, les, les divergences, je pense que c'est impossible. C'est impossible. Euh, et ces divergences, on les verra, ce ne sont pas des divergences qui, euh, qui, sont, qui vont faire sortir l'islam ou dans le dogme ou autre chose. Voilà, donc c'est des questions pratiques, certains on voit d'un côté et pas d'autre, et on verra peut-être des exemples pratiques. Après, je pense que le plus important, effectivement, c'est quelque chose de constructif, c'est-à-dire qu'on est dans un monde riche, riche de sciences, riche d'hommes, de, de, riche de scientifiques, et que ces gens se mettent ensemble, je pense que c'est déjà bien. C'est ne considérer sa position comme... Euh, euh, que ce n'est pas une position unanime, que ce n'est pas la vérité, qu'on qu ne détient pas la vérité, contrairement à beaucoup de gens qui pensent qu'ils détiennent la vérité. Donc c'est cet état d'esprit je pense qui est bien, et que l'on se donne la main pour essayer de, de résoudre, euh, d'être utile à la communauté musulmane, je pense que c'est surtout cet état d'esprit qu'il faut saluer, et les savants qui y vont, chacun part avec, bien sûr, ce, ce sont ses, ses opinions, et il les confronte à d'autres, et en revenant, ils peuvent changer d'opinion, c'est une question précise. Dans tous les cas, au moins, ils donnent aux musulmans euh, de aux contemporains euh, des réponses. Donc euh, que les gens doivent... Euh, euh, peuvent entre guillemets parce qu'on ne les impose pas peuvent utiliser pas à aller piocher dedans mais au moins ils ont des arguments et devant Dieu ils n'auront certainement mmh. pas donc de prétextes pour dire on ne savait pas et ces questions contemporaines juste de euh, pour terminer ces questions contemporaines ce filtre des, 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 des questions contemporaines inchallah fera l'objet incha voilà donc de, du prochain peut-être que de la prochaine série en tout cas très bientôt on va essayer de de parler donc de ses positions sur les voilà tout à fait. Et quand je parlais de consensus, je ne parle pas que le consensus n'existe pas. On en parlait qu'à l'époque des Sahaba, ils avaient effectivement un consensus entre eux. On pouvait encore le faire. Après, c'est devenu très, très difficile. Moi, je dis maintenant, c'est quasiment euh, impossible de prouver que quelque chose a, a fait euh, preuve comment dire, euh, voilà, de, de consensus. Même avant, c'était très, très difficile. Certains qui rapportaient des. Des, des consensus qui, au final, quand on creuse, euh, n'était pas vrais. Même les ulama comme Nawawi, ou Ibn Qudama, ou, 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 ou par exemple, même le Taymi, des fois, ils rapportent et disent qu'effectivement, il y a un consensus entre les ulama, mais quand on recherche un peu, on se rend compte qu'il y a quand même quelques divergences entre les ulama, C'est pas forcément du consensus. Mais des fois, ils, ils rapportent et disent le consensus est effectivement, les ulama, mais pour eux, ceux qui considèrent comme étant des ulama, c'est pas forcément. Tout le monde, mais il qu'ils connaissaient les avis. Et surtout ceux qui avaient pour eux une considération. Ils ne considéraient pas le, les, les, la, tout, tout, tout l'éventail, le panorama des fuqaha en Islam. Du coup, c'est très très difficile. Et, 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 et maintenant, c'est sur des questions bien... On verra après Inshallah lors, du, lors des élèves concernant les, les questions de jurisprudence mondiale, même des questions extrêmement difficiles. Euh, maintenant sur lesquels on souhaite répondre il y a il y, y a des divergences entre les, les, les des, des grands organismes qu'on appelle de l'académie de jurisprudence mondiale ils, ils sont très très peu en divergence mais des fois ils peuvent être en divergence alors que ces deux institutions avec qui, qui font ils ont des ulama, des centaines de ulama qui font partie et qui ont étudié par exemple la question de la mort cérébrale il y en a un qui dit qui dit oui et l'autre qui dit non ce n'est pas des personnes, je dis vraiment c'est deux institutions. Il y en a certains qui disent effectivement la mort cérébrale, c'est une vraie mort et on peut aller, euh, on, on prononce sa, sa mort. Et l'autre, en fait, l'autre, l'autre, l'autre Académie de jurisprudence qui dit non, ce n'est pas une véritable mort et on ne peut pas aller rechercher et prendre en fait les, les organes, les dons d'organes, et ouais. etc. Du coup, ils ont interdit chacun. Il a ses arguments effectivement et il ne se bas... c'est pas des arguments que religieux parce que il faut le savoir que et ça c'est l'avantage de ces... de ces grandes institutions c'est qu'ils commandent aussi des études et des études scientifiques Scientifique, non non absolument bien des scientifiques c'est pas seulement des études euh, voilà c'est vraiment des études scientifiques pour bien comprendre ce qui se passe etc tous les avis par exemple des, des, des scientifiques euh, sur cette question avant de prendre effectivement la, la décision ou de euh, ou de de, de, de débattre d'autoriser ouais. ou de débattre sur la question et de donner leurs avis du coup c'est très, très 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 difficile de, de se dire voilà on va on va gommer toute la divergence on va tous s'associer de dire là on va tous faire ça parfois la divergence, c'est pas forcément de la, des différences ou de la confrontation, entre guillemets, c'est parfois la divergence, c'est aussi de la diversité. « Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala et, et, et ce n'est pas, pas tout le temps « je suis contre toi », etc. Il y a des fois différentes façons de, de prier, différentes fa... pardon, de prier, pardon, différentes façons de D'invoquer Allah, mais dans ce sens de, 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 de variété, parce qu'elles ont toutes été, ces façons ont toutes été rapportées du Prophète, <sans de narratives>, certains qui prennent euh, certaines, d'autres, effectivement, qui prennent d'autres, mais la plupart de ces divergences, quand on creuse un petit peu, sont de l'ordre de la diversité, et certaines, certaines divergences sont vraiment, il y a vraiment des, des vraies divergences du point de vue différence, effectivement, on est différent. Ce n'est pas, pas dans la diversité mais celles-ci aussi elles ont euh, leur fondement c'est pas des gens qui viennent barakallah, la de l'avoir dit il faut ils ne viennent pas ils donnent pas leur un avis par pure passion c'est pas il va pas venir en disant voilà je pense parce que moi je pense non pas du tout c'est quand il dit je, je voilà mon avis, c'est parce que il lui est apparu par rapport aux preuves qu'il a en, dans sa connaissance, par rapport à sa compréhension du sujet, il va donner son avis par pure conscience et non pas parce que ça lui a plu ou, ou, il, a, ou il autorise, euh, comme on a parlé tout à l'heure de l'Awzaï, qu'il qui avait un avis. Euh, non, il y a Son avis, par exemple, qui a été rapporté dans les livres de jurisprudence, si quelqu'un oublie de prier, enfin, on oublie un rock par exemple, et il s'en rappelle après, il peut, même s'il rentre chez lui, il peut encore le, le rattraper et prier. Mais c'est son avis, c'est juste son avis. Mais il a été rapporté. Mais il ne l'a pas donné parce que ça, il n'avait il il pas envie ou il avait entre guillemets la flemme pour refaire sa prière. C'est un avis qui lui est apparu par rapport à, aux, aux preuves. Ce n'est pas, pas forcément par facilité qu'il a, qu a, qu a donné cet avis-là. Du coup, il faut avoir cette culture du respect. En tout cas, ou ce comportement de respect du de, de, de ulama, et non parce, pas parce qu'Ali, par exemple, Imam Malik il n'a pas pris un avis ou il n'a pas pris un hadith. Parfois, il y a des hadiths effectivement qu'il n'a pas pris alors qu'il les a, même lui, il les a rapportés. Rapporté lui-même, C'est pas pour autant qu'il qu rejette la sunnah. Il faut arrêter de dire des choses comme ça. C'est pas pour autant qu'il rejette la sunnah parce qu'il lui a paru d'autres preuves ou, ou effectivement une interprétation différente du hadith. Et, et ne pas être dans ce sorte de sectarisme en disant voilà mais si tu ne penses pas comme moi c'est que tu es contre moi et que vraiment tu es dévi déviant que tu es égaré ce n'est pas du tout comme ça que les, même les ulama euh, les véritables ulama sur bagnon ceux qui craignent Allah subhanahu wa taala ils n'ont jamais été comme ça il faut suivre ces, ces ulama il faut suivre leurs traces et être dans la bienveillance tout en étant euh, comment dire exigeant c'est pas forcément euh, forcément prendre n'importe quoi mais tout en tout en étant bienveillant et compréhensif euh, et, et surtout, euh, euh, et surtout euh, être reconnaissant vis-à-vis -vis de tout le travail qu ont, que ces éléments ont mené. Et ils peuvent se tromper. Et qui, qui ne peut pas se tromper Ils des fois, euh, le, le cheval, effectivement, même s'il a l'habitude de, de trotter ou de galoper, un, un jour, il peut, se, il, il peut totalement se prendre les pieds, effectivement, prendre les pattes, ça, ça, les sabots. C'est quelque chose qui est totalement naturel parce que personne n'est parfait. Et ça, c'est la sunna d'Allah sur Terre. Donc la question en fait, euh, du frère ou de la sœur, c'est qu'il ne faut pas absolument chercher le consensus dont tu as parlé. Il y a des choses où on peut... Ce n'est pas parce qu'on diverge qu'on qu'on qu vit pas ensemble, qu'on se respecte mmh. pas, etc. Donc si on est convaincu d'une chose, on ne va pas l'abandonner pour pl faire plaisir à la communauté ou faire plaisir à quelqu'un, etc. Pas, ce ne sont pas les tensions d'une famille... Euh, des tensions que l'on peut aplanir euh, en disant bon ben tu lui pardonnes etc non c'est pas c'est pas le droit de quelqu'un c'est pas mon droit que je vais laisser c'est ma conviction et devant Allah je suis responsable de ça donc il faut euh, faire attention à, à placer chaque chose à, à son niveau tout à fait comme pour euh, la réponse je, je, je me demandais si on n'était pas parti sur un deuxième live pendant un <laughs> remercier <laughs> en tout cas le, 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 le frère ou la sœur qui a posé la question et je vous propose de commencer à prendre euh, un premier appel, Inch'Allah, parce qu'il y a déjà des personnes qui attendent depuis tout à l'heure. Juste un petit rappel pour les, pour les appels, euh, les frères et les sœurs, soyez concis dans votre question. Une question par, pa par appel, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend. inshallah comme on disait tout à l'heure, très certainement les appels, on va les arrêter euh, le, le samedi et ce sera le lundi, Inch'Allah. Allô, salam alaykoum euh, Allô Oui, salam alaykoum. Salam euh, on, on vous écoute, vous êtes en ligne. Euh, J'ai une question, en fait. Je voulais savoir, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, l'assurance-vie d'un défunt L'assurance-vie d'un défunt Sachant le... qu'on, je sais que c'est pas... C'est euh, interdit en islam. Et là, si vous le savez. <laughs> non, mais l'assurance, le principe de l'assurance, on en a déjà parlé, je pense. Le principe de l'assurance, c'est que toutes les assurances en islam sont interdites. Sauf celles ne sont tolérées, je ne dis pas autorisées, ne sont tolérées que celles qu'on nous impose. L'assurance voiture ou l'assurance habitat, sans lesquelles ben, tu n'as pas de logement, sans lesquelles tu ne peux pas circuler, etc. Et même là, tu dois prendre le minimum, parce que ça t'a été imposé. Tu mets, tu dois respecter la loi, mais tu dois la prendre parce que tu en as vraiment besoin, ça devient vital. Maintenant, l'assurance vie ne correspond absolument pas à l'esprit de l'islam. Tu assures quoi Quelle vie tu vas la science vie c'est Allah la science vie c'est que Allah subhanahu wa ta'ala tu es venu sans biberon sans sac à dos Allah t'a mis une mère ou un père et une famille euh, donc qui s'est occupé la société s'est occupé de toi si tu as pris ça c'est un niveau euh, de foi donc, euh, qui, a, qui a été ébranlé, entre guillemets, en tout cas, qui est assez faible, qui t'a amené à compter sur les biens matériels et pas sur le... Allah. Ça ne veut pas dire, que, que je me fasse bien comprendre, ça ne veut pas dire que le musulman ne prend pas de précautions et qu'il ne prend pas les outils, qu'il ne, qu ne va pas anticiper et qu'il ne va pas économiser. Quelqu'un qui a dit au Prophète sallallahu sallam au seuil de sa mort, je donne tout, je donne tout ce que j'ai à Dieu. Il dit non. Il dit non. Euh, il dit la moitié, il dit non, c'est trop. Il dit le tiers. Il dit oui, le tiers, mais même le tiers, c'est beaucoup. Laisse, ne laisse pas tes héritiers en train donc de, de, de commander. Voilà, donc il faut bien qu'on se comprenne. C'est simplement, je ne compte pas sur ce que j'ai ou ce que mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Je rappelle encore cette belle histoire de l'Hydra et de...

Et avec des gens qui sont malfaisants, il n'a pas fait confiance, il a creusé une fondation et il a mis son héritage dessus. Il a monté un mur demandant à Allah d'assurer la transmission de, de l'héritage. C'est ce qu'Allah fit en envoyant le Khidr quand le mur allait tomber. Voilà, donc on compte sur Allah, on travaille bien entendu, on fait les économies, mais de là, après une assurance, quand je vivrai, quand votre père va mourir, ou un tel, à ce moment-là, vous, vous allez avoir tel millier d'argent. Non, ça, ce pas permis à ma connaissance. Pas permettre ma connaissance, et si on l'a, à ce moment-là, on en fait du bien, sans pour autant penser que c'est de l'argent qui est halal, puisque l'argent d'assurance, au mieux, on peut récupérer ce qu'on a dépensé. Mais le reste, on doit le donner à des gens qui peuvent, qui sont vraiment démunis, je dis bien démunis, même pas des pauvres, des gens qui sont démunis, et donc euh, qui ont besoin des orphelins, des veuves, des causes justes, entre guillemets, des gens qui sont éprouvés et qui n'ont pas de quoi manger ou qui n'ont pas de quoi boire, à ce moment-là, on peut leur donner donc ceci ou à des organisations humanitaires, des associations pour faire du bien autour d'eux, pour des gens qui sont éprouvés. wa la wa fait juste par rapport à ce sujet, effectivement bon, il y a le, le, juste la question effectivement de l'héritage qui est un peu particulière. Euh... Certains ulamas, euh, parmi eux les malikites et Sheikh Nasim bin à Alayhi disent que euh, l'héritage justement le, 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 de ce type de, de, de biens qui ont été mal acquis, effectivement, qui ont été acquis euh, euh, injustement, ils disent qu'on peut effectivement profiter, mais ce n'est pas l'avis de la majorité de c'est juste pour situer ce, cette question-là, parce que quand, dans l'héritage, ça, ça change la donne, parce que là, il y a celui qui a véritablement fait le contrat et qui a acquis l'argent au départ, celui-là, c'est haram. Par exemple, d'avoir dit, effectivement, c'est interdit. L'assurance assurance vie, les assurances commerciales, elles sont interdites. En revanche, là où ils ont divergé, c'est est-ce que l'héritage, effectivement, le passage de cet argent-là, euh, il devient halal par le fait de l'héritage. Par exemple, par effet du don. Quelqu'un te donne l'argent. Ils disent qu'effectivement, il y a il différencie entre le mal muharram aïné, c'est-à-dire que l'argent, il est interdit cet, cet argent est interdit en lui-même et l'argent qui a été est interdit par, par le moyen effectivement par lequel tu l'as acquis ce qu'ils disent est-ce que tu as effectivement l'interdit par le moyen par exemple par, comme le riba, comme les assurances etc celui-ci les malikites en l'occurrence, et c'est un avis qui a été, qui a été adopté par Abdelaziz Ibn Rahman, c'est que c'est permis aux héritiers d'en profiter. Dans ce cas-là, seulement pour ces biens-là, mal acquis. Si c'est un argent, par exemple, volé, non. L'argent volé, tu es obligé, il ne t'appartient pas, il est interdit. L'argent, euh, quand c'est un bien, par exemple, si c'est de l'alcool ou autre qui est interdit, l'héritage, ou le, le contrat, ou en tout cas, le, le, la transmission, euh, de la propriété de ce bien-là, forcément, ne le rend pas euh, permis. Mais ça, ce n'est pas l'avis la, de la majorité de la L'avis de la majorité du ulemas, c'est qu'il est interdit, effectivement, comme tu as dit, euh, et, et, euh, et il reste interdit, même après le passage, justement, euh, par l'héritage, et que, comme tu as dit, il faut, faut s'en débarrasser dans les, via de, les voies de bienfaisance. Juste par, par, par complément, je me ouais, suis permis, cher euh, désolé cher. de d'avoir. Euh, apporter de juste cet avis là pour euh, si caso si ou quelqu'un euh, voilà nous nous dit voilà on n'a pas euh, effectivement apporté oui, en même temps la le, avis. De, 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 de du complément c'est à dire qu'on va chercher on va parfois quand on pose mm. des questions ce n'est pas forcément pour savoir quel est l'avis des savants souvent mm. je pense qu'il est bon d'expliquer scientifiquement par là mm. quels sont les avis des savants mm quand on pose souvent des questions, c'est pour savoir si c'est halal ou pas. Est-ce est est que c'est vrai ou c'est pas vrai Donc, du coup, ah, mais il y a deux avis, il y a divergence, hum. donc je prends l'avis entre guillemets qui <laughs> m'arrange. Donc, je pense qu'il faut faire attention aussi à, à fait. ce genre Allah. de questions-là. BarakAllahu ouais. pour, euh, pour la réponse. Et oui. On remercie également la sœur qui a, qui a posé la question. Euh, T'as un autre appel, Karim oui, salam alaikum. Wa alaykoum Al salam alaikum. Walaikum as-salam Al alaikum, Al vous allez bien, j'espère. Alhamdulillah, on vous écoute, Inch'Allah. Alors, moi, ma question, c'est sur les 99 noms d'Allah. Alhamdulillah, je les ai appris et j'ai compris le sens, Alhamdulillah. Mais maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que je peux invoquer à travers ces noms-là. C'est-à-dire, comment je vais formuler une invocation à travers mes prières mentionnant ces différents noms donc là, Allah se fait connaître par ses noms et chaque nom euh, implique nécessairement au moins un attribut, donc il est miséricordieux, il est tout puissant il est qui pourvoit tous les besoins, c'est le créateur etc, donc bon on va pas rentrer dans le détail c'est, on l'utilise justement, on l'utilise, c'est pour se faire connaître pour quand tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour l'aimer. Donc ce n'est pas seulement faire pour l'appeler. Bien qu'il ait dit Walilahi l'asma husna fadehu biha » Donc Allah dit dans la surah 7, verset 180, à Allah appartient les noms le plus beau, appelez-le par ça. Appelez-le par ça, donc c'est une invocation, c'est une adoration que d'appeler Allah par ce nom. Le Prophète disait souvent, disait Anas, ce qu'Allah l'a et il disait souvent le Prophète souvent demandait Ya hayyu, ya qayyum » Yahyayu c'est deux noms que l'on utilise souvent. Birahmatika astaris, c'est de ta miséricorde dont j'ai besoin. Donc on appelle Allah au travers de, de ces noms, on ne l'appelle pas par des noms qu'il ne s'est pas donnés. Et les noms ne sont pas de 99 non plus. C'est 99 des noms, celui qui les connaît et qui les comprend et qui les met en pratique est garanti du paradis. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah n'a que 99 noms, puisque vous me dites les 99 noms d'Allah. Il en a bien plus, puisqu'il a gardé envers lui des noms que lui seul sait. Subhanahu wa taala, qu'il a enseigné à certaines créatures. Mais donc on va regarder. Quand tu veux, c'est la miséricorde d'Allah que tu attends. Tu appelles Allah par les noms qui invoquent, des, des, qui, 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 qui font penser et qui implique la miséricorde. On ne va pas dire, ô oh, miséricordieux, châtiment ou ô euh, oh, miséricordieux, pardonne-moi. Bien qu'il pardonne, c'est ô oh, le grand pardonneur. Donc a yarafar. Donc tout ce qui est en rapport avec le grand pardon, pardonne-moi. Donc là, ça a un sens. Donc il faut toujours mettre l'invocation en rapport avec le nom que tu vas utiliser pour bénéficier de la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Taala ou en fonction que tu as adapté en fonction donc des circonstances. D'accord, merci beaucoup. Notre alaikum. Euh, notre appel, quand même. Alhamdulillah, ouais. ils sont nombreux ce soir. Salam alaikum. Allo, salam alaikum. Allo Oui, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Là, là bon là. Bon on vous écoute, Inch'Allah, vous, vous êtes allés. Oui, très très bien, on vous écoute. Allo Allo Oui, oui, on vous écoute. Oui, salam alaikum. Euh, J'avais une question, Barakallofikum euh, pour, ce, pour ce live de ce soir. Euh, J'ai une question notamment au niveau du, du du paradis. Quand vous dites que Omar est au paradis, euh, ainsi que Sayyid Abrahim et, et d'autres, euh, je comprends pas trop parce qu'il a été rapporté par euh, Ahmed et Muslim que la première personne qui rentrera au paradis, c'est le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je, 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 si vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît, sur, sur cette question-là. Là, tu, tu as tout à fait raison. Euh, c est, c est... Disons que les morts sont par... les martyrs. Allah parle des martyrs dans la surah, notamment dans la surah 3. Donc, ne pensez pas que ceux qui sont morts, qui sont, sont morts sur le chemin d'Allah sont morts. Et en réalité, ils sont vivants et ils sont pourvus. Donc, ils sont contents de ce qu'ils ont déjà au paradis et ils sont, donc, leur âme, comme l'a dit le Prophète est comme des, 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 est dans, comme des sabots dans des, dans des oiseaux verts du paradis. Le paradis existe, en tout cas, le il existe déjà et n'attend pas qu'Allah le crée il est déjà créé. Ça, c'est le dogme des, des gens de la Sunna et de la Jama'ah. Et le, le, pour réconcilier tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas rentré encore au paradis. Mais ils sont au paradis, le professeur m'a dit qu'ils sont au paradis. C'est qu'ils sont destinés au paradis. Mais en même temps, ce qu'il faut être sûr, ce dont il faut être sûr, c'est qu'à notre mort, quand on sera interrogé, à moins qu'on soit martyr, euh, il n'y a plus de prophète, quand on sera interrogé, donc euh, quand, pour répondre aux trois questions de Nakir et Munkar, alayhi wasallam, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qu'est-ce que tu penses de Mohammed, quand tu répondras, et c'est ce qu'on espère pour tout un chacun, quand on va, va répondre correctement, ils vont dire, voilà la place que tu aurais occupée, donc dans l'enfer, si tu avais mal répondu. Voilà la place que Allah t'a réservée au paradis, donc tu vois ta place au paradis. Quand on dit qu il est au paradis, et il dit, le hadith de Barra ibn Azib, qu'Allah l'agré, il dit, matin et soir, on lui ouvre sa, sa place sur le paradis, et on, lui, et on dit, il va avoir la compagnie de ses œuvres sous la forme d'un homme on va lui amener des tapis du paradis donc sa tombe devient un des jardins du paradis c'est dans cet esprit là C'est qu'il est au paradis ça veut dire qu'il n'est pas dans le paradis qui est donc comme Allah l'a décrit dans la sourate 53 qui est donc au niveau de au niveau du dernier au niveau du 7e ciel Ce n'est pas celui-là il s'agit d'un paradis donc qui une reproduction, si on peut l'appeler ainsi, il a une porte qui est ouverte sur sa place, il, délique, il délecte déjà les quelques bienfaits du paradis. Voilà, c'est dans cet esprit-là, il n'est pas parti au paradis, mais sauf si les martyrs sont âme, donc, et dans un oiseau vert, comme l'a dit le prophète, Sallam, il ne parlait pas de lui-même. Voilà, donc, il n'y a pas de contradiction entre ça, ça veut simplement dire que si ce n'est pas le paradis, euh, c'est l'enfer que Dieu nous en préserve. Une fois qu'ils sont morts, ils connaissent leur place et ils commencent à profiter. Shalom, il y a des délices du paradis, même si le jour venu, le premier euh, qui va, quand le professeur Saddam va taper à la porte du paradis, enfin, la porte, une des huit portes du paradis, quand on va dire qui c'est, Ridwan va dire qui c'est, il va dire, c'est Mohammed. Il dit, effectivement, on m'a ordonné de n'ouvrir les portes du paradis qu'à toi, pas avant. Donc c'est lui qui sera le premier, effectivement, qui va rentrer au paradis. Mais le paradis, ça c'est quand ce sera la fin du monde, après la résurrection. Voilà. Quant au paradis qui existe déjà et dont chacun a une place, certains vont l'occuper, car nous compte parmi cela, et n'occuperont que cette place-là, d'autres vont occuper leur place en enfer au paradis, Carl nous en préserve, à cause de sa justice, et d'autres ne vont pas occuper la place qu'ils ont au paradis. Donc la place nous sera montrée, Charles, et on espère que ce sera celle du paradis, matin et soir, on va déjà, et on sera pressé en voyant ça, du la résurrection de la résection, donc on va déjà commencer entre guillemets à être dans les jardins du paradis, c'est ce qu'on espère en tout cas. J'espère avoir été clair. D'accord. Oui, c'est très clair. Merci Bara, beaucoup Bara, pour euh, cette précision. Baraklou, Bara, okay. salam. Salam. Tu fais de ce appel, euh, Karim. Oui, salam alikoum. Oui, salam alikoum. Très très bien. Vous écoutez, Inch'Allah D'accord. Euh, bah, Dans un premier temps, je voulais vous remercier euh, pour tout ce que vous faites, euh, parce que moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé euh, en tant que jeune musulmane, en fait, qui a commencé à pratiquer il y a, il y a, il y a peu. Ça m'a beaucoup aidé. Et je voulais vous poser une question en fait concernant en fait euh, la dépression, euh, parce que en fait, c'est une maladie dont je souffre depuis euh, près de dix ans, euh, en sachant que j'en ai 24. Et je voulais savoir en fait. Euh, est-ce que vous auriez des conseils pour savoir comment guérir Parce que, euh, euh, si vous voulez, enfin, je fais beaucoup de doura, euh, je demande beaucoup à Dieu de m'aider, parce que, en fait, c'est handicapant dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que c'est des pensées constantes, des pensées euh, noires, euh, c'est euh, de l'incapacité, de l'incapacité à faire beaucoup de choses, euh, à bouger, même des fois euh, à accomplir les actes d'adoration. Et je me dis peut-être que... Euh, j'ai fait des choses, euh, peut-être que j'ai fait des péchés, peut-être que je ne me suis pas assez repenti. Et je me dis, peut-être que c'est pour ça que mes dourailles ne sont pas euh, acceptées. Donc, je voulais savoir si euh, bah, déjà de un c'était possible et si vous aviez des conseils. Alors, la faites te euh, t'accompagne dans ce temps d'épreuve. Ce n'est pas forcément parce que tu as fait des péchés. Et c'est certainement, j'imagine, la difficulté et les douleurs que l'on peut vivre. Alhamdulillah, je n'ai pas été éprouvé par ça. Donc c'est une vraie maladie, une vraie maladie et qui est soignée ouais. comme toutes les maladies par Allah, subhanahu wa celui qui guérit. Donc ce que je veux juste, je ne suis pas psychologue, euh, ce que je peux juste te dire, c'est que ce n'est pas signe que Allah ne t'aime pas. Euh, les plus éprouvés sont les prophètes, mais sal la maladie n'est pas fonction euh, des péchés. Ce qui nous arrive comme malheur, oui, ouais. mais pas comme maladie. La maladie, c'est une épreuve. Comme l'a dit le Prophète, c'est lui que Allah a privé de ce qu'il aime le plus, on dit, les, on dit la vue, on dit les yeux. S'il si patiente, il n'aura pas d'autre récompense que le paradis. Voilà, donc cette dépression oui. peut être l'occasion pour toi, bien que très jeune, elle peut être l'occasion pour toi de rentrer oui. au paradis, Shallah, et Allah te pardonnera très certainement des choses qu'il ne pardonnera pas à quelqu'un d'autre. Donc on le vit mal, mais il faudrait oui. accepter le destin, oui. voilà, et surtout ne pas te culpabiliser. Donc Satan va te dire « oui mais tu es en train d'appeler Allah, il ne t'écoute même pas, c'est que tu es la dernière de ses, de ses, de ses servantes, il ne t'aime pas ». Non, ça il ne faut pas, ça il ne faut jamais penser d'Allah du mal. Il faut penser que Allah s'il le fait, c'est puisqu'il peut tout, tout faire, s'il te, te par ça, c'est que c'est par là qu'il faut passer pour avoir son agrément et pour être celle que tu dois être. Et ce n'est pas du tout fonction, euh, les apparences sont trompeuses, ce n'est pas du tout fonction de ta place chez Allah. Subhanahu wa Par contre, il faut continuer à demander à Allah d'accepter ton destin et de réagir en fonction. C'est que tout ce qui t'arrive va être du bien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Dit... La situation du croyant m'étonnera toujours. S'il si lui arrive ce qu'il aime, du bien, il remercie Allah, c'est du bien pour lui. S'il arrive ce qu'il n'aime pas, il patiente et c'est du bien pour lui. Et ceci n'arrive qu'aux croyants donc euh, moi tout ce que je c'est facile à dire hein, c'est des conseils euh, c'est facile oui. à dire mais voilà quand tu le vis surtout quand tu es jeune quand tu le vis ça doit pas être évident tous les jours quoi. donc il faut simplement bah, voilà, voilà oui. il faut il faut simplement il faut prier Allah subhanahu wa taala et si Allah ne répond pas de suite à ce que tu demandes il y a mille et une raisons les savants va en donnent des dizaines. Mmh. Voilà. Donc, dans tous les cas, sache qu'il entend. Dans tous les cas, sache que sa promesse est vraie. Le professeur Salam a dit, il n'y a pas un serviteur d'Allah sur la terre qui l'invoque sans que il lui donne, ou qu'il lui donne mieux, ou qu'il lui donne quelque chose pour compenser ça. Ils ont dit, celui qui, un, des, un des, des auditeurs, dit, alors on va demander beaucoup. Il a dit, certainement, il faut le faire. Si je, si je peux résumer le hadith. Donc il faut surtout pas t'arrêter et désespérer de la miséricorde d'Allah. Ça ça va, ça c'est shaitan aura gagné. La dépression elle existe, Allah sait pour quelle raison et mais dans tous les cas ça ne peut être que du bien pour toi contrairement à ce que shaitan va te faire. Donc remercie Allah. Je, je raconte toujours cette histoire de cette femme qui était possédée pendant un combien d'années et remercier Allah de pouvoir lire le Coran 5 heures par jour. Moi je suis incapable de lire le Coran une heure par jour. Et si je commence, certainement que je vais arrêter au bout de 2-3 jours. Voilà, 5 heures par jour, lisez le Coran et tous les jours. Parce que chaque lettre va lui apporter 10 bonnes actions. Voilà. Et il dit, le Prophète, je ne dis pas qu'Alif l'am mime, c'est une, une lettre. Alif est une lettre, l'am est une lettre, mime est une lettre. Donc tu seras satisfait, de de son Seigneur, s'il te permet de patienter le jour où tu vas le rencontrer en disant, mais finalement, euh, c'était rien la dépression. Voilà. Donc, Inch'Allah, il n'y a pas de maladie non plus, il faut, faut le savoir. Il n'y a pas de maladie, comme l'a dit le prophète Salam, on l'a déjà traité. Il hein. n'y a pas de maladie qu'Allah a créée s'il n'a pas créé le médicament. Qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Donc, ne désespère pas non plus. Non, non, ça, c'est toute ma vie, je n'ai que 24 ans. Et quand j'en aurai 50, et quand j'en aurai ceci, non. Il se peut qu'Allah, il n'a pas besoin de cause seconde, il se peut qu'il te guérisse du jour au lendemain. Mais ce n'est pas dans ton bien. C'est pour cela qu'il te laisse dans cette situation. Et peut-être que ton 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 soulagement est proche, inchallah Donc il faut continuer à aller à, à, à l'invoquer, continuer à penser du bien et surtout être optimiste pour l'avenir. inchallah l'avenir sera au paradis. D'accord, Ok. Merci. Barak Allah Fik. Fik, ma sœur. Bon courage. En tout cas, les frères et les sœurs sur les réseaux sociaux font beaucoup de doigts. Donc, uh, inchallah que les euh, choses ça va s'arranger, inchallah Barak Fik. Salam alaikum. Merci beaucoup. Euh... Au revoir. Il arrive mon encore Allo, salam alaikum. Oui, alaikum salam. On vous écoute, inshallah. Ouais, merci beaucoup. Euh, que Dieu vous bénisse euh, pour tout ce que vous faites. Amen. Et Je vous appelle, euh, j'ai une préoccupation. Euh, j'ai une querelle euh, avec un ami. Et euh, essayé euh, de l'appeler pour euh, qu'il me pardonne. Et j'ai essayé d'appeler à plusieurs reprises et la personne ne, ne prend pas mon appel. Mm -hmm. Et raison pour laquelle euh, je vous appelle pour savoir si la personne, euh, je fait mon nécessaire et si la personne ne décroche pas mon appel, euh, qu'est-ce que je peux faire euh, pour que la personne euh, me pardonne. Puisque moi, je vois comme si euh, c'est moi le fautif. Et comme si, euh, comme euh, le Ramadan aussi s'approche, il euh, est appelé pour euh, qu'il me fasse euh, le pardon, mais du coup de son côté euh, ne décroche pas l'appel. Qu'est-ce que je fasse? Alhamdoulilah, c'est qu'Allah te récompense pour euh, le, ce qui t'a permis de faire, parce que dans un conflit, je le rappelle, à moi-même d'abord, ensuite à, tout, à toutes mes sœurs, à tous mes frères. Quand il y a oui. un conflit, il y a toujours on a toujours une part de responsabilité. Ça, c'est sûr. Ça, on a peut-être 1%. Finalement, c'est 50-50. Voilà. Il ne faut pas dire que c'est de sa faute, c'est de sa faute. Donc, c'est très bien la position que tu prends. Peut-être que je suis. Euh, c'est moi qui suis en tort. En tout cas, si tu n'es pas en tort, tu as une part de tort. Ça, c'est sûr. J'en suis convaincu. Okay. Sans connaître l'histoire et je ne veux pas la connaître. Voilà. Donc, je pense que c'est très bien de réparer la part de tort que tu pourrais avoir, au moins en lui demandant. Ça fait partie du repentir. Le repentir, c'est. Arrêter le péché, c'est le regretter, c'est décider de ne plus jamais le refaire et de reparer. Donc, le fait de reparer, c'est ici, dans ton cas, c'est de, de demander au moins pardon à la personne. Si la personne ne veut pas décrocher, tu profites de chaque occasion pour appeler, mais ce n'est pas pour autant que tu n'as vas pas dormir. Tu, tu dois t'inscrire dans ça et chétan va te dire de toute façon, tu as essayé une fois, tu as essayé dix fois, mais peut-être que la personne a perdu son téléphone. Peut-être que euh, euh, la personne est fâchée et elle n'a pas à être fâchée plus de trois jours. Mais bon, qu'Allah lui pardonne. Peut-être qu'elle a bloqué ton numéro. Peut-être que, peut-être que, peut-être qu'elle est malade. Peut-être qu'elle est morte. Voilà. Donc ne te, ne, surtout ne te projette pas dans ce que tu ne connais pas. Je te conseille de que tu te conseille simplement de prier pour la personne, de prier qu'elle aille bien, de prier que Allah lui pardonne. Parce que quand tu vas prier pour ton frère, Allah va mettre un ange, comme l'a dit le professeur Sallam, celui qui prie pour son frère absent, Allah met un ange pour dire ainsi qu'à toi aussi. Donc tu vas profiter d'en priant pour cette personne-là. Déjà, ça veut dire que tu lui as pardonné. Et tu vas prier pour que Allah lui pardonne. Et il se peut que ta prière soit acceptée et qu'Allah lui pardonne. Toi, tu auras fait, Allah ne va pas te juger sur ce que tu ne peux pas faire. Tu as essayé. Tu as essayé. Moi, je te dis, continue d'essayer. Si tu vois quelqu'un qui va au village... Dis-lui, passe-lui le salam euh, à, à mon frère un tel et un tel. Et si même si tu es sûr que, que la personne va le rencontrer, euh, donne-lui euh, même, même une banane, donne-lui du cola, donne-lui je ne sais quoi d'autre pour lui donner. Pour il est favorable à qui Dit Allah dans la sourate Fussilat: Il de favorable à qui est baynaka wa baynahu adaatun, kānahu waliyun hamim." Allah dit dans cette surah 41, verset 34, si ma est bonne, repousse le mal par le bien. Repousse le mal par le bien, tu verras que celui avec qui tu as de l'animosité devient un ami intime. Fais-lui des cadeaux. Fais-lui des cadeaux, bien sûr, il ne s'agit pas de se dévaliser, d'aller emprunter, mais juste symbolique. Il se dira peut-être un jour oui, mais bon, mais c'est moi qui exagère et s'il ne voulait pas te pardonner peut-être Allah dit tu vas voir qu'il va devenir un ami intime il va devenir un ami intime mais il n'y arrive que celui qui est patient qui est doué de force de patience grâce à Allah et n'y arrive que celui qui est il y a une détermination donc, il faut que tu continues à prier pour lui, de ne rien garder, si possible, dans ton cœur, comme ne pas lui chercher. Oh, j'ai appelé, j'ai appelé, il ne répond jamais. Bon, ben, je laisse tomber, non. Aie pitié de ton frère, prie pour lui. Et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala non seulement te pardonne, mais en plus te le compte comme une bonne action, Inch'Allah. Inch'Allah, je vais faire le nécessaire, Inch'Allah. Baraklaoufik, Allah Barak Allah Allah. Barak Baraklaoufik. Allah Allah. Barak Baraklaoufik, mon frère, Assalamu alaikum. Euh, chez Mohamed, je vous propose de prendre un dernier appel. Inch'Allah, il commence à se faire tard. Karim Allô? Oui, c'est alaikum. Allô? Oui, assalamu alaikum. Oui, alaikum salam. On vous écoute, Inch'Allah, vous allô êtes allé. On vous écoute, allô? Oui, alaikum salam. Excusez-moi, je ne vous entendais pas. Vous m'entendez? On, on vous entend, en fait. Coupez le live que vous avez derrière oui. vous, l'ordinateur, le, 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 je pense. Et, et, et oui, oui, c'est un oh, de, de mon patient. Bon, on vous patient, écoute, je, appelle, euh, je, appelle, euh, je, suis je suis actuellement à l'hôpital avec un patient qui vous écoute tous les jours. Et je lui ai fait une promesse un jour de vous appeler en direct. Et, euh, et si vous pouvez lui faire des doigts, ça fait un an qu'il est hospitalisé. Et il communique avec ses yeux. Et il sourit pour du riz. Et, et là, il est, il est content. Ça je vous attends ça. Ah plus, il porte le même nom que vous. Il s'appelle ouais. comme vous. Eh bien, il s'appelle comme il s'appelle Muhammad alors. C'est ça. Wa Il vous ha entend. Hein? Il vous entend. Il vous écoute. Wa shah Allah. Car Subhanahu wa Taala yani, te guérisse complètement hein, sans laisser de traces. Hein, si tel est le bien, dans tous les cas, sache que quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Et toute souffrance que tu peux avoir, Allah subhanahu wa ta'ala t'enlève des péchés ou t'élève en degré. Donc, euh, alhamdoulilah, il faut accepter ton destin. Et non, ce n'est pas grand-chose quand tu seras au paradis. Inch'Allah, il se peut qu'Allah te redonne donc la santé. Et pour que tu fasses encore plus de bien, il se peut que tu quittes cet hôpital sans aucun péché. C'est ce qu'on cherche tous, au moins par la langue. Allah, toi, t'oblige à subir donc, cette épreuve-là, mais ne pense pas qu'il y a du mal dedans. Ne pense pas qu'Allah ne t'aime pas. Au contraire, en tout cas, c'est la promesse du Prophète Sallallahu Quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve il jusqu'à ce qu'il jusqu qu le rencontre sans aucun péché. C'est ce qu'on espère. Et Alhamdulillah, ils sont des milliers peut-être de, 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 de frères et de sœurs à écouter. Et qui vont, incha'Allah, prier pour toi et pour les éprouver. Et il se peut donc oui. que Allah accepte le doigt, pas forcément oui. de ceux qui sont autour de cette table, pourquoi pas, mais il se peut qu'au moins parmi les, les mille ou les deux mille qui écoutent, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le doigt d'un seul et qui t'accorde vraiment ce que tu n'attends pas. Voilà, en tout cas, oui. bonne guérison, entre guillemets. Et Barakallah, merci à toi, ma sœur, de, de lui avoir fait ce plaisir-là. C'est Allah oui, qui l'a voulu, oui, mais c'est vraiment très, c très gentil pour lui, et je te remercie pour lui. Oui, merci beaucoup. Le sourire qu'il a au visage, oui. non, merci beaucoup. Oui, oui. Merci, merci beaucoup. Oui, oui. On ne le oui, voit oui. pas, mais on le devine. Merci, merci. On le devine. Courage vous, BarakAllahu fiqh. C'est vrai qu'il y a des frères et des sœurs qui font beaucoup, beaucoup de do'a, oui, barakAllahu fiqh, <laughs> en tout cas. Euh, cher Mohamed, je vous propose juste euh, une dernière question écrite qui, euh, que j'avais déjà notée depuis euh, quelques lives. Parce que, cher, on a, quand on a fait les questions-réponses, on avait pas mal traité le, le sujet sur les dettes. Et euh, c'est une question qui était arrivée, donc la personne l'avait envoyée, il me semble, par message privé. Elle dit, est-ce qu'il est, qu est permis à un enfant ou aux enfants euh, d'un de, de, parent décidé? De refuser de payer la dette parce que celle-ci s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros et de refuser notamment aussi l'héritage qu'il a laissé parce que bah, c'est devenu une charge qui est beaucoup trop compliquée pour les enfants. Alhamdulillah, il faut savoir que la dette, si on ne peut pas la payer, on ne peut pas la payer. Même la personne qui s'est endettée, mais qui n'arrive pas à la payer, c'est Allah qui va la payer. À condition qu'elle s'est endettée honnêtement et qu'elle voulait la payer. Avant de le faire. Donc, c'est un coup de, du destin, entre, je ne vais pas dire du sort, c'est un coup du de destin, la personne n'y arrive pas. Donc, si les héritiers ne peuvent pas payer, ben, alhamdoulilah, ils ne payent pas, ils ne vont pas s'endetter à 100 000 euros je ne sais combien pour payer des dettes. Donc, non, elle, elle doit payer les dettes si elle peut et Allah subhanahu wa va compenser cela. Mais si elle ne peut pas payer, ne peut pas payer. Et si elle refuse de l'héritage de crainte qu'elle soit endettées, elles ont tout à fait le droit. Payer les dettes d'un parent ou d'un défunt n'est pas une obligation. Simplement parce qu'on sait que c'est important. Et le Prophète Salam a dit que le, le, même le martyr ne rentre pas au paradis s'il a des dettes. Donc euh, est, tout est relatif, hein, j'entends. S'il a des dettes qu'il ne peut pas payer, c'est Allah qui les paye. Voilà, donc euh, s il ne s'agit pas de dire, non, mais mon père est mort avec des dettes, il ne va pas rentrer au paradis. Mais c'est pour nous inciter, le verset le plus long, 282 de la société de Bachara, elle, 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 elle parle sur une page entière des dettes et de, de les écrire et d'avoir des témoins, etc. etc. Donc ce n'est pas la société de consommation aujourd'hui qui va nous amener à, 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 à s'endetter et à se surendetter. C'est surtout contre ça. La, 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 aujourd'hui, si j'en parle, j'en profite pour dire que... Ce n'est pas parce que tu as un nouveau frigo que si tu meurs et que tu ne vas pas avoir de soucis. Quoi. Voilà. Tant que ça marche, tant que tu n'as pas besoin de t'endetter, il ne faut pas s'endetter. Le principe, il est là. On est, est endetté vis-à-vis d'Allah seul. Ce qu'on espère, c'est le rencontrer qu'on ne doive à personne sauf lui. Parce que si tu dois à quelqu'un, tu vas le payer. Alors, Donc, ceci dit, la personne peut refuser l'héritage hein, parce que même si elle apprend et qu'elle, maintenant, elle est, elle, elle est endettée, ça ne changera rien du tout. Donc, il faudrait demander conseil. Il faut, si c'est la meilleure façon, et c'est ce que j'ai entendu, que c'est la meilleure façon de ne pas s'endetter. Mais si c'est la meilleure façon de le faire, c'est pratique, on ne le fait pas. Et on prie que Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde aux gens qui se sont endettés et qui sont morts dans cet état-là. Allah ala wa ta'ala. Euh, juste dernière question. Euh, pour Mohamed, tout à l'heure, tu as parlé, quand, la première question qu'on avait posée concernant le consensus, tu as parlé de plusieurs académies aujourd'hui qui euh, travaillent, etc. Est-ce que ces académies-là, chacun d'entre nous, pour entrer en contact avec eux, pour euh, par exemple demander un certain nombre de questions, parce qu'on a envie d'enrichir nous-mêmes notre savoir, ou est-ce qu'il faut passer par des euh, des personnes qui sont en contact avec ces gens-là oh, Ces académies, on parle des académies de jurisprudence, ce sont c'est pas des euh, des organismes de fatwa. Effectivement, il y a des organismes de facture existent. Euh, dans tous les pays d'ailleurs, dans tous les pays musulmans, il y, a, il y a des organismes qui sont spécialisés, qui de fatwa officiel, on appelle effectivement le euh, fatwa, etc. Ça, ça existe en Égypte, ça existe dans tous les, dans tous les pays. Ce, ces organismes sont plutôt des euh, comme le nom l'indique, c'est euh, Al majma al-fikr. Majma al-fikr, c'est une sorte d'académie de jurisprudence. Ils ne sont pas là pour répondre aux personnes. On peut effectivement envoyer des questions qui peuvent être euh, potentiellement étudiées, mais ils ne, ils ne font pas des fatwas. C'est surtout, euh, ils ne font pas des fatwas. Précisément à des questions, mais ils vont étudier une question religieuse pour donner justement des résolutions et des avis. C'est de la recherche scientifique. C'est de la recherche scientifique et la recherche scientifique qui va donner des résolutions. Ce n'est pas forcément des recherches scientifiques juste pour euh, donner les, 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 une étude et faire tous les avis. C'est vraiment une sorte de résolution pour dire c'est halal, c'est haram, quelles sont les conditions, etc. Pour, pour toutes les questions nouvelles, il, traite, il, il les traite et ils lui font aussi de la recherche parce que justement il, il y a, au travers de cela, il commande des études à certains scientifiques ou à certains LMA qui vont faire euh, tout, toute une étude et ensuite donner leur propre avis et, et c'est la confrontation de ces avis ces débats qui vont Ramener, amener justement à, à l'adoption d'une résolution, et du coup elle a adoptée par tous les ulamas qui composent en fait cette académie, ils disent voilà, on, on a décidé que euh, ceci est haram, ceci est halal, voici les conditions particulières effectivement à l'autorisation. Du coup, ils peuvent rentrer en contact, mais je, je, ne, je, pense pas, je, ne, je ne pense pas à ma connaissance qu'ils peuvent avoir qui vont leur répondre alors, à leurs avis, il y a d'autres organismes qui existent, auxquels vous pouvez écrire et qui, et qui, et qui vous, vous, vous répondent. Euh, qui, qui vous répondent. Baklafik Mohamed, Baklafik Cher, Baklafik Karim et Baklafik Oma, tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent pour vous pour, 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 pour Une nouvelle fois, je m'excuse et je m'excuserai à la fin de chaque live, mais je ne peux pas prendre toutes les questions. Alhamdulillah, il y en a qui disent. Mais j'ai posé des questions plus haut, pourquoi tu ne la poses pas Parce qu'en fait, je n'ai pas. Alhamdulillah, de... le temps est déjà passé. Sachez que je note au fur et à mesure les questions il y a des questions aussi. Qui ont déjà été traités. Bon, on sait que les gens, ils ont besoin de la reposer. Peut-être vous ne savez pas qu'on a déjà rép répondu dans les lives précédents. Donc, une nouvelle fois, je vous renvoie sur notre chaîne YouTube où il y a tous les lives qu'on qu fait qui sont traités deux jours après par Karim, ils sont repostés. Ils sont notamment sur la page Facebook aussi. Donc, n'hésitez pas quand vous avez un peu de temps de réécouter. Il y a des questions que vous posez auxquelles vous avez déjà les réponses. Et inshaAllah, quand on lancera. Euh, l'émission qui sera consacrée euh, uniquement à vos questions, vous pourrez appeler et euh, on essaiera de, de, de vous prendre et de répondre à vos questions Inch'Allah. Barakallahu fikum, Mohamed, je te laisse, euh, Inch'Allah, le, le mot de la fin. Jazakallahu khairan barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense par le meilleur et bénisse votre temps. Subhanakallahum wa bihamdika, shadu an la ila ila intassafiru qa'a tubu liq, subhanarabbika rabbil azzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.